Bonjour Sophie, bonjour Bonjour. Laetitia. Bonjour. Voilà Bonjour Sophie. Laetitia. Bonjour Pascal. Bonjour, je te présente donc Laetitia qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Enchantée. Enchantée, merci. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Oui. Commençons par la santé, bien sûr. Oui. Alors, j'ai une grosseur sur la tête comme une boule au-dessus de la tempe gauche. Là. Exactement. D'accord. J'ai de la sécheresse et de l'eczéma parfois au niveau des méridiens qui passent au-dessus des oreilles. Donc là. Attends, sécheresse, et quoi tu dis? Eczéma. Eczéma autour des oreilles. Oui. La perte des cheveux. Là, de plus en plus. Puis je vois que ça devient plus un duvet avec des cheveux maintenant. De cheveux, oui. Je vois de moins en moins bien. Et c'est encore pire si je suis un peu fatiguée. Vision, donc ok. Ouais. J'ai de plus en plus de varices au niveau des jambes et de la coupe rose au niveau du visage. Marisse, chambre, Au niveau des vaisseaux sanguins, en fait, les veines. coupe rose. Visage, ok. Oui. J'ai des tremblements de la main gauche. Des jours comme aujourd'hui, ben, je sens, en fait, j'ai le corps qui vibre avec les tremblements. D'accord, depuis longtemps? Oui. D'accord. J'arrive pas à donner de date. J'ai eu une période, c'était la main droite, maintenant c'est la main gauche. Mais je sens en fait le haut du bras qui est comme un peu engourdi. L'épaule engourdie en dehors. Ok. Oui, ensuite. Hein? Je fais de l'apnée du sommeil. De là. De l'apnée du sommeil. Et du sommeil, d'accord. Okay. Ça me l'a dit, mais ça m'a foutu la trouille. J'ai dit non, c'est quoi ce truc? Alors, jouer. Ça Ok. me fait souci. Ben voilà pour le. Ok. Alors, tes 6 points, allons-y. Le premier. Ben j'ai le sentiment d'avoir un souci avec le sommeil. Je peux dormir énormément et j'aurai ensuite la sensation de plus arriver à échanger correctement dans mes relations, d'être moins présente. Même j'ai même de la peine à comprendre l'échange. Enfin, c'est très étrange. Attends, tu me dis que tu dors énormément, c'est ça? Énormément. Ouais, si j'ai pas de réveil, je peux dormir. Ah oui. Ouais, je ne fais pas de supposition comme tu m'as proposé, mais voilà, je peux. D'accord, Oui. tu pourrais te réveiller très tard, quoi. Ok, Ouais. tu me dis que ça influe aussi dans tes relations? Oui. C'est-à-dire Si que je tu dors as. beaucoup, alors les premiers jours, si je dors beaucoup, je suis reposée. Puis après, bah, je continue à dormir beaucoup, puis je suis moins présente, quoi. D'accord. Ta présence aux relations. Ok. Relationnel. D'accord. Ensuite. Bah, comment attirer l'abondance et sortir de la spirale de l'endettement? D'accord. Donc, du coup, tu as les soucis d'argent, quoi. Oui. D'accord. Argent et abondance. Donc, endettement. Oui. Bien. Troisième. Il y a la maladie d'Alzheimer qui est assez présente dans ma famille et puis ça me fait un peu peur. Je voudrais voir ça. Ok. Quatrième. Comment instaurer une relation de confiance, de calme avec ma fille pour l'aider dans son évolution? Ça veut dire quoi que tu as un problème de relation avec ta fille? Oui, ça dépend des jours. Il y a Alors. des jours où on se comprend très bien, puis il y a des jours où, je veux dire, j'aime pas le mot respect, mais elle est pas du tout. Si je la laisse un peu sortir, elle rentre jamais à l'heure. Elle va à un autre endroit qu'elle me dit. Elle a 12 ans. Elle a 12 ans. D'accord. Donc, dans la relation, c'est plutôt qu'elle ne respecte pas les règles que tu lui imposes, c'est ça en gros? Oui. Et vous êtes dans une relation conflictuelle ou pas? Oui, par moment, oui. Oui, ok.
Elle veut plus d'écran. Elle veut plus quoi? Plus de... Plus d'écran. D'écran. Plus d'écran, et puis moi, je lui mets des restrictions normales quoi, sur les écrans. Ah, d'accord. Ben, elle veut toujours plus. Sinon, elle, puis elle, si je mets plus, elle passe son temps dessus, donc ça ne va pas. D'accord. Pour moi, elle c'est trop. Elle ne supporte pas les limites, c'est ça? Oui. Oui. Ok. Et puis oui, puis elle a très mauvaise note à l'école. Là, depuis la fin de l'été, elle est pas au-dessus de la moyenne. Elle a tout, ouais. Enfin, voilà. C'est okay. Dans ce sens-là, l'aider dans son évolution. J'essaie. Hein? Tu veux savoir ce qui se passe? Oui, oui. On va regarder. Ok. Cinquième question. Je souhaiterais vraiment améliorer la relation mais avec son papa parce qu'au fait depuis que je travaille, enfin depuis que je suis après le chômage, il doit me verser de l'argent car je suis en recherche d'emploi et il doit aider au niveau de l'État, enfin voilà, c'est comme ça que ça se passe en Suisse. Et puis en fait ça a tout coupé, on avait une bonne relation et puis ça a tout coupé depuis qu'il doit me verser de l'argent pour sa fille, pour aider. Et puis, même la relation avec sa fille. Donc, D'accord. Donc, la relation avec elle et toi, quoi. C'est ça. Oui, ta oui. Ta fille, toi. Hein. Oui. C'est-à-dire que depuis qu'il a été obligé de payer une pension alimentaire, ça a coupé oui. votre relation, c'est ça que tu veux dire? Exactement. D'accord. Ok. Il a eu un peu de travers? Oui. Oui, parce que... Après, je ne veux pas dire que j'ai fait un pacte, mais il y a peut-être quelque chose comme ça. Quand elle est née, moi, j'ai dit, je ne te demanderai jamais rien. Tu peux la reconnaître, je ne te demanderai jamais rien. Ah, donc oui, quelque part, tu vois, tu ouais. as fait une promesse, et puis, je dis, oui. t'as rompu la promesse. Oui. Ok. Et je ne m'attendais pas, je pensais, même, je ne connaissais pas les lois assez. Et puis du coup, je me disais que quelque part, non, moi, j'allais travailler et puis il ne me devrait jamais rien. Je ne lui ai jamais rien demandé pour cet enfant, en fait. D'accord. Et puis du coup, là, il doit donner et puis ça ne passe pas. Mmh. Ouais, ok. Bon, bien, ça va. Bien, et ta 16e question. J'en ai trop effacé. Ouais. Attends. Ouais, je vais pas te gruger quand même. Hein. Non, mais attends, je vais te dire une. Ouais, mais je sais. Ouais. Ah bah oui, je suis quelqu'un de passionné quand je vis avec quelqu'un, enfin avec un compagnon. Et là, ça fait 10 ans. J'ai une toute petite, ça fait 12 ans depuis que j'ai ma fille. J'ai une toute petite aventure, mais rien qui dure. Que je suis seule. Et puis j'aimerais bien savoir s'il y a un blocage, parce que je suis peut-être, je me dis est-ce que je suis trop passionnelle, mais c'est voilà. D'accord. Tu veux dire, quand tu es dans une relation, tu es très passionnelle et tu as l'impression que ça altère leur relation, c'est ça que tu veux dire? Peut-être, voilà, savoir si ça crée un frein ou. Oui. D'accord, ok. En amont, voilà. On t'a et puis, si je vais rencontrer quelqu'un, quoi. On t'a fait du reproche sur ton attitude? Non. Bon, en fait, tu veux savoir pourquoi tu es encore seule aujourd'hui? Oui, alors, oui. Alors tu c'est un peu ça la question. Ah, c'est peut-être mieux ça. Hein? Oui, exactement. Voilà, on va simplifier. Hein? Oui, oui, oui. Non, parce qu'être passionné dans la relation, ça peut être sympa. Hein? Enfin, ça dépend après comment ça se manifeste. Mais bon, on va voir pourquoi tu es seule. Hein? Tu savais comment tu es seule? Oui. C'est combien? J'ai pas compris. Ça fait combien de temps que tu es seule? Mais ça fait 12 ans. 12 ans? Ah oui, bon, c'est un scandale. Hein? C'est vrai, hein? Je suis d'accord. Mais je ne voulais pas. Hein. Les premières années, je voulais vraiment être. Ah, besoin de te retrouver, Voilà. Et maintenant, j'aurais plaisir à partager. Ok. À partager maintenant que tu t'es retrouvée, tu veux te partager, c'est ça? Exactement. Non, on va partager. Échanger. Ouais. Oui. Bon, écoute, les invités, alors, qui veux-tu inviter à part ta fille, évidemment, et puis son papa? Oui, son papa. Donc, son papa, oui, et sa famille, sûr, je suppose, papa et sa famille. Oui, ouais, généralement, son frère, oui. Sa famille en général. Tout à fait. Après, tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur.
Une sœur et sa famille. Oui, mes parents. Tes parents sont encore là, tous les deux de ce monde? Oui. Ok. Ensemble? Oui. D'accord. Après, des amis, famille en général? La famille en général, mais j'ai trois amis proches. Alors, déjà, on dit famille en général. Hein? Voilà. Famille en général. Ok. Ouais. Et les amis, donc les trois amis proches? Oui. Famille en général, il y a les enfants de ma sœur, j'aimerais bien les Ouais, inclure. ben, Les vas-y. enfants. Ouais, ok. Ouais, ben, c'est ta sœur à sa famille. Hein. Oui. Ouais. Oui. Ça implique son compagnon, ça implique ses enfants. Hein. Voilà. Oui. Voilà. Donc les trois amis de cœur, on va dire, c'est ça? Exactement. Trois amis de cœur. Tu as d'autres amis que tu veux inviter? Relations, collègues, autres? Non. Les Non? trois amis de cœur et leur compagne. Et compagne, d'accord. La maman de jour de ma fille. Et La maman de jour de ma fille. maman de jour de ta. C'est quoi maman de jour? C'est, comme on dit, celle qui s'occupe d'elle Ah quand oui, la nounou, quoi, la la nounou. nounou, La oui. nounou de la fille, d'accord. Bien qu'elle soit un peu grande pour une nounou, mais allez, Oui, nounou. mais c'est un peu sa deuxième maman, donc oui. D'accord, ok. Et sa famille, évidemment. Hein? Oui. Il y a des animaux? Un chat. Un chat? Ouais. Qui dort? D'accord. Et on dit les animaux de tout le monde s'il y en a? Oui. Les deux désincarnés, qui choisis-tu? Je choisis un ex-ami. Je ne sais pas si je dois donner le nom. Non, non. Si tu peux, si tu veux. Hein. C'est un ex. Sébastien. Et après, l'autre ami? L'autre désincarné? Ma grand-mère maternelle. Grand-mère maternelle. Oui. D'accord, ok. Je peux pas rajouter un. Non, que deux, non, non, parce que Ouais, ça. d'accord. Ok. C'était de la famille, l'autre que tu voulais rajouter? Oui, ma Ouais, grand-mère paternelle. ça inclut dedans, on va l'inclure. D'accord. Oui. Voilà. Alors, voilà, à présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 43 000. 43 000. À 43 000, tu es juste à la lisière ou tu es bien au-dessus et en sécurité? Au-dessus, en sécurité. Bien. Alors, connecte-toi à moi. Oui. Voilà, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Et je te laisse te connecter sur Sophie. Dis-moi comment tu l'aperçois. Alors, elle se divise en deux énergies différentes. Alors, en premier lieu, en fait, j'ai aperçu comme ça était dans une sorte de bulle, de cellule, on va dire une bulle, dans les couleurs un peu bleutées. Et en deuxième temps, c'est comme si son bas du corps, à partir du chakra cardiaque, des épaules, toute sa partie du bas, donc tout ce qui est inférieur, agit dans une autre énergie, donc je dirais c'est beaucoup plus rayonnant, c'est-à-dire que l'énergie est discordante. Hein. Quand je dis c'est rayonnant, c'est-à-dire que je vois du jaune, je vois des couleurs un peu de feu, et j'aperçois très peu en fait sa tête qui, elle, agit dans une autre fréquence d'énergie. Voilà, à partir des épaules, sa tête est sur une autre fréquence. Et d'ailleurs, c'est bizarre de voir ça comme ça, mais c'est comme si elle n'avait pas de cheveux, par exemple. C'est comme si elle était, je voyais juste sa tête chauve, bizarrement. Comme s'il y avait donc des énergies, il y avait des grosses fuites d'énergie à ce niveau-là, en fait. Donc elle se dévitalise. Donc le reste du corps est dans cette énergie jaune et toujours entouré par cette bulle bleue. Et l'énergie jaune
comment dire, est-ce que je peux dire le terme strident? Bon, c'est plutôt pour le son, mais c'est comme si c'était ouais, ben, crissant en fait. Alors, je pense que c'est plus pas au niveau du son, mais plus au niveau de la sensation. Donc c'est très étriqué en fait, parce que je sens ses jambes étriquées de l'intérieur, donc jusqu'à dans sa physicalité. D'ailleurs, parce que j'ai eu l'idée de la partie subliminale qui est coincée là, donc c'est bien elle qui est là. Donc il y a la partie subliminale et par conséquent, tout qui est strident et étriqué, ça va jusqu'à la physicalité, des courses du pied à la physicalité. Donc je le D'accord. ressens énormément dans les jambes. Donc la partie subliminale est coincée dans cette partie basse, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. Ok. Enfin, Et cette qu'est-ce partie, cette, dans tout le dispositif, hein, c'est elle qui est dedans. Parce que là, j'observe la tête aussi. Elle est dans cette bulle bleue. que tu La appelles le partie. dispositif, c'est la bulle bleue, c'est ça? Voilà. Et après, c'est dans la bulle bleue, elle est séparée en deux énergies. Donc la subliminale est coincée dans la bulle en fait, mais dans tout, dans sa physicalité, pas que dans Oui. la partie du bas. Voilà. D'accord, ok. Ok. Donc ça agit, donc c'est comme si en fait on avait mis un tuyau d'aspirateur comme ça qui s'arrête là au niveau des épaules et qu'on a aspiré toute son énergie vitale. Donc c'est pour ça que j'apercevais très peu sa tête, sans les cheveux d'ailleurs. Donc ça coupe, bah, ça détruit et j'ai même ça dénature aussi ses capacités extrasensorielles, ses capacités sensorielles. C'est comme si elle n'était pas là, elle est désancrée. Mais quand je parle du haut, hein. Il y a un désancrage dans la 3D, dans ce qu'elle vit en fait. Il y a un décalage de réalité aussi. Voilà ce que provoque cette énergie-là d'aspirateur, on peut dire ça comme ça, qui aspire son énergie vitale. D'accord, ok. Donc ça déconnecte pas. Oui, parce que là c'est tout le haut. Pour dire, je vois même pas ces chakras en plus. Je ne sais pas où sont situés, ceux du haut. Ok. Voilà. Alors, j'ai quelque chose au niveau des hanches par rapport à cette énergie basse. Ça fait un décalage aussi au niveau de sa physicalité. Donc c'est pour ça que je ressens au niveau des hanches qu'il y a une sorte de décalage en fait des hanches, ce qui donc c'est dû à cette énergie qui en fait la alors la désancre, je l'ai déjà dit, mais c'est pas le désancrage, c'est comme si elle n'avait pas la main mise sur alors j'ai le terme réincarnation aussi, je sais pas pourquoi, c'est comme si ouais elle n'avait pas la main mise sur ses réincarnations, donc ses incarnations, on va dire ça comme ça. D'accord. Et ça se situe au niveau de la hanche. Oui. Oui, parce que ça fait comme un décalage comme ça. Elle est décalée. Voilà, c'est tout ce que je vois. Je prends du recul. Donc cette énergie bleue, elle est dans une sorte de capsule, je dirais, si j'observe le dispositif. Capsulaire ou. Comme un sarcophage, enfin pas un sarcophage, un scaphandre, on va chercher le mot, pardon. Un sarcophage, un scaphandre. D'accord. Scaphandre. À l'intérieur, il y a tous ces corps subtils à l'intérieur. Ouais, tout est dedans. Elle est en fait prisonnière, encapsulée, tchouk, dans ce sarcophage. Mais ça fait 2 fois que je le dis. Dans ce scaphandre, d'accord. Et avec la partie subliminale à l'intérieur également. Oui. Elle est coincée. Elle Et est coincée. ce tuyau-là, à partir de la tête et les épaules, qui aspire l'énergie, il conduit où, si tu le suis jusqu'au bout? Ouais. J'aperçois deux mantes aux commandes. Deux sortes de mantes, ouais. Aux commandes de quoi? D'un vaisseau. Voilà, c'est dans un vaisseau aux abords de l'espace terrestre qui se déplace. Il ressemble à quoi ce vaisseau?
Je dirais qu'il est long. Comme un Et sur cigare. les... Comment? Oblong comme un cigare. Voilà. Mais sur les côtés, il y a des extensions triangulaires. Parce qu'il y a des laboratoires là. D'accord, ok. Bien. Et c'est quoi leurs objectifs au Mans alors? Qu'est-ce qu'elles font avec elles? Donc là, j'ai l'idée de d'utiliser son énergie vitale pour une sorte d'énergie de moteur ou motrice, puisqu'elle est encapsulée dans des scaphandres. Donc, voilà, c'est comme si c'était une sorte de pile, en fait, Oh, de comme un moteur. carburant, une énergie qui est utilisée comme un carburant. Voilà, donc oui. Donc l'énergie du haut est utilisée plus pour ça, c'est pour ça qu'elle se vide totalement. J'ai une énergie d'oubli aussi, c'est bizarre, ça me vient comme ça. Ouais. C'est-à-dire, comme si on la dévitalisait aussi de son essence et de ce qu'elle était. Elle D'accord, de sa oublie. mémoire. Ok. Voilà, c'est pas comme l'entrée de la matrice ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus... Comment dire, c'est beaucoup plus proche des mentes à ce moment-là. C'est D'accord, ça, de ça. plus ciblé technologique, quoi. Voilà. C'est ça? Ok. Pourquoi est-ce qu'elle veut le, les, pourquoi est-ce qu'elle lui met de l'énergie d'oubli? Pourquoi est-ce qu'il la met dans l'oubli? C'est quoi l'objectif? Faut la contrôler. Pour mieux la contrôler, il y a d'où ce désancrage là, au niveau des hanches d'ailleurs. Comme ça, on peut maîtriser son incarnation en fait. Ses incarnations et la mettre dans des situations précises. Pour pouvoir en retirer L'énergie. l'énergie. Il y a quand même une partie, parce que je le vois sur mon côté gauche qui est décalé, où il y a quand même de l'expérience sur elle aussi. Mais c'est infime, parce que ça, son objectif premier, c'est vraiment moteur, tout ce qui est voilà, pile, L'énergie. D'accord. énergie, exactement. Et Et bon, expérience, pardon? vas-y, expérience. Et l'expérience à côté, alors là, je vois comme des cellules dans le sang. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Ah, c'est comme si elles s'injectaient, comme si les menthes s'injectaient du sang humain. D'accord, donc l'énergie du sang alors. Ouais, elles C'est sont pas. retirées aussi au niveau des cellules. L'intérieur des cellules, je vois du sang. Tu sais, je ne sais pas si elle est neutron, les choses comme ça. Et comme si elles se, voilà, elles expérimentaient peut-être leur physicalité aussi, à travers plus le sang que l'ADN d'ailleurs, à ce D'accord. niveau. Et c'est pourquoi faire qu'elle s'injecte du sang alors? Bah, c'est plus Enfin, de pour, l'énergie du sang. bah, pour revêtir une sorte de physicalité 3D. Mais Ah. c'est des tests d'expérience, c'est juste expérimentaux. C'est-à-dire qu'elles agissent en dehors de l'ADN, quoi. De ce que l'on connaît, on va tester autre chose, quoi. Ok. Donc pour se matérialiser en fait en 3D, c'est ça? Voilà. Ou alors on va tout tester, en fait. C'est même pas autre chose, c'est que Et alors, il y a des elles sont parties. arrivées à quelque chose en faisant ça? Bah, je dirais oui. Il y a une sorte de matérialisation de leur physicalité. C'est bizarre, j'arrive pas trop à comprendre, mais Ça les fait s'approcher de la 3D, c'est ça? Elles sont en combien? En quatrième, là? oui, il y a de la quatrième. Il y a quelque chose, c'est possible, c'est interdimensionnel aussi. Elles sont en train de se densifier interdimensionnel. D'accord, ok. Densification Mais interdimensionnelle, je sais. habituellement, elles sont en quelle dimension là? Dans leur, leur physicalité habituelle, elles sont combien? Alors, la physicalité, c'est 4D. Parce que je percevais la Ah. 5e D, mais tu vois, c'était bizarre parce que c'était pas du tout la même densité. Dans la 5e dimension, je percevais de la technologie. Mais là où elles sont actuellement, là, c'est de la 4e D. Et il y a cet intercalaire dimensionnel entre la 4 et la 3e dimension. Qu'elles arrivent à obtenir avec ce qu'elles aspirent de son sang. Ouais, bah, c'est-à-dire que c'est plus probant les expériences avec le sang qu'avec l'ADN. Mais c'est pas complètement complet. Il y a pas...
C'est pas complet en fait. Je vois qu'il y a genre 22%. D'accord. Et la 5MD, donc c'est plutôt de la technologie qu'elles arrivent à atteindre la 5D, c'est ça? Elles utilisent une technologie. Exactement. D'accord, c'est artificiel. Ok. Bien. Et donc, depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elles la toute première fois? Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Ça fait cinq vies, cinq incarnations. D'accord, ok. Alors, on va regarder ce qui s'est passé, comment ça s'est passé la première fois. Alors, je la vois en inter-incarnation. Elle est flottante. Elle est... Sophie, elle est perdue, désorientée, je dirais. Et c'est à ce moment-là qu'elle l'approche, que les mentes l'approchent. Sous quelle forme elle s'approche? J'ai des formes bienveillantes, en fait, comme des sages, je dirais, comme des... Alors, j'ai le terme totem qui me vient, comme peut-être des... Oui, voilà, des personnes, comme des saints, on va dire, des personnes D'accord. différentes. Parce que j'ai le terme totem qui me vient, donc peut-être qu'elle priait Alors, certains. regarde, quelle incarnation elle a eue avant de la quitter là? Elle était où? Juste pour savoir. Référence totem, ça m'amène à un aigle, donc je dirais. Là, on est amérindien, mais dans le nord. Voilà, ok. Dans le nord Donc, de la France. c'était cette incarnation-là, Amérindien du Nord. Ok. C'est pas pour faire l'historique, hein, parce que c'est pas le plus important. Ok. C'est pour ça que tu utilises ton totem. En plus, je voyais des cheveux longs comme ça, comme des Indiens avec Ouais. des plumes, des choses comme ça. Enfin, bref. D'accord, ok. Donc, elle approche comme ça. Voilà, Ouais. comme un totem, donc plutôt aigle alors. Oui. Alors, ce qu'on appelle les totems, généralement, c'est ces trucs sculptés. Là, tu parles plutôt de d'animaux totems. Ah oui, les animaux totems, c'est ça, oui. Donc l'aigle, Oui, mais ok. derrière les animaux totems, en fait, il y a aussi une référence comme un personnage. Référent comme un ancêtre, tu vois. Ah, d'accord. J'ai parlé de saint parce que ça avait la même vibration que quand on prie nos saints, nous dans le catholicisme par exemple, mais chez eux, c'est aussi il y a aussi des ancêtres qui a comme référent. Et donc Clémente, elle approche comme ça, parce que je vois D'accord. ce monsieur-là avec ses cheveux longs. Ah oui, elles prennent l'information de ses valeurs et de ses références Voilà, et et elles c'est s'y lié à un confondent. totem, et c'est lié à Oui. un totem, à une prière au niveau de l'animal, voilà. D'accord, ok. Donc évidemment, elle donne Elle son donne, consentement. voilà, parce que ça la rassure vu qu'elle était désorientée, donc elle les suit et elle est capturée, elle est enfermée quoi, directement dans ce vaisseau avec la partie subliminale puisqu'elle avait donné le consentement, donc c'est beaucoup plus facile. Et donc depuis lors, c'est elle qui gère ses incarnations. Oui. Directement de force ou elle les suggère à chaque fois? Il n'y a pas vraiment, on se pose pas la question, on y Ah va. oui, comme une évidence, hop. Ok. Voilà. Bien, alors je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties je voulais son prénom, Sophie. Toujours pareil, moi les prénoms, c'est pas mon truc. Que toutes les parties de Sophie prennent connaissance et conscience de ces informations, hein, de cette supercherie et de leurs conséquences. Oui. Ça fera donc partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Bien. Alors, combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 29. 29 vies humaines. Ok. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Il y a quelque chose de lunaire. C'est pas une lune que l'on connaît. C'est gravitationnel. En fait, sa conscience est comme une sorte de lune gravitationnelle, comme quelque chose qui est à venir, une construction d'une planète à venir, dans une étoile lointaine, c'est le terme qui me vient. Donc, quand je dis lointaine, on peut l'assimiler à notre univers, lointain dans le cosmos.
Il y a comme un temps infini et fini en même temps. C'est très lointain. C'est bizarre la sensation que j'ai D'accord. de ces morceaux de temps en fait que je vois qui se décalent devant moi et donc je la vois en alors c'est comme je peux dire une sorte d'astéroïde mais c'est pas un astéroïde c'est une lune en fait qui va se déplacer comme ça et qui va tourner dans une sorte de cycle Autour de quoi? autour de rien pour l'instant d'un néant et qui va petit à petit se je suis dans l'astronomie là se Vas-y, vas-y. créer tournoyer pour créer avec les particules qu'il y a autour. Donc c'est grâce à ce tournoiement, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, plusieurs astéroïdes, plusieurs lunes qui tournent et qui va créer ces particules pour façonner une dimension d'abord. Et ensuite, pour créer du coup des planètes, la planète qui va devenir dans les plusieurs dimensions. Je sais pas, par exemple, on est en... Alors j'ai le terme dixième dimension, c'est comme si on commençait dans la dixième dimension et qu'au fur et à mesure on descendait Ouais. jusqu'à la cinquième. Et ça permet des densifications, c'est ça? Et après une matérialisation de planètes? Oui, en plus je vois quelque chose qui se façonne, tu sais, comme des disques comme ça, je ne sais plus comment on appelle ça, de gaz, je ne sais plus comment ça s'appelle en astronomie. Ouais. Il y a un disque qui se forme, toujours avec ce trou noir au milieu, Des mais c'est le anneaux, néant. tu veux dire? Des anneaux de gaz? C'est pas vraiment des anneaux, hein. C'est comme un trou noir au milieu avec du gaz autour. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là, par contre, en cinquième dimension. Donc, elle, c'est la conscience de cette lune. C'est elle qui a décidé de manifester, de se manifester en tant que de cette lune qui va participer à la création de cette planète. C'est ça? Oui. Par son tournoiement. Oui, par des cycles. Par des cycles, ok. Il y a des cycles géométriques. Comme si on prend dans l'infiniment petit, ça me fait penser tout de suite, je vois le neutron ou le proton qui tourne autour d'une cellule. D'un noyau. À l'échelle du temps. Oui. Oui. Et donc là, par contre, elle se danse. Mais sauf que là, ça ne part pas d'un noyau, puisque le noyau n'est pas existant, tu m'as dit. Elle non, tourne d'abord dans le vide. Le noyau, c'est le néant. C'est le trou noir, en fait. Le trou noir, d'accord. C'est un potentiel non exprimé encore. Oui, exactement. Et là, par contre, j'arrive en fait sur l'information de la cinquième dimension. On s'arrête là. Et donc là, en cinquième dimension, il y a cette planète qui s'est formée? Oui. D'accord. Et après, il y a de la vie qui va s'y installer? Oui. Je vois des animaux, des sortes d'animaux. De quelle manière ils seront installés, là, ces animaux? De quelle manière ils apparaissent sur cette planète? Par l'énergie. J'ai l'impression que la conscience, par ce qu'elle est, parce qu'elle-même, elle devient un animal, en fait, de cinquième dimension. Ah oui, elle se manifeste ensuite en animal sur cette planète. Voilà. Quel type d'animal? Je ne peux pas t'expliquer trop les animaux, mais... j'ai vu comme des sortes de caméléons, par exemple, ou des amphibiens, ou des choses comme ça, des animaux à poils, mais c'est pas du poil, en fait, c'est un peu bizarre, c'est énergétique, quoi. Il y a des grands animaux majestueux aussi, en fonction de la particule de lumière, en fait, qui est instruite. De son information, quoi. Voilà. Et ces particules de lumière, elles viennent d'où pour informer et se manifester sur cette planète? D'où est-ce qu'elles viennent? De tout ce qui a été créé dans toutes les dimensions depuis le départ, en fait. Il y a d'autres consciences qui participent à cette création ou pas? Ou c'est oui. Elle seule en tant que lune? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si on entrait plus dans le détail, justement pour la connaissance, c'est bien. J'ai vu qu'elle était une sorte d'astéroïde lune et qu'il y en avait d'autres aussi. Donc, il y a plusieurs consciences en fait, qui participent à cette construction, à ces particules. Et ensuite, par conséquent, ces particules de lumière se manifestent sous une forme. D'accord, mais ces formes, elles viennent de quelque part, puisqu'on sait qu'il y a des planètes ressources sur lesquelles il y a justement des archétypes de formes d'animaux, de plantes, etc. Alors, c'est ce que j'aimerais comprendre, tu vois, on parle d'une création d'une planète, c'est intéressant, tu me dis qu'il y a l'apparition d'espèces animales et autres sur Terre,
Mais d'où est-ce qu'elles viennent, tu vois? Comment est-ce qu'elles sont véhiculées là? Il y a une sorte de mémoire collective. Parce qu'en fait, ce que je vois, hein, ce que je perçois, c'est que il y a les particules énergétiques, il y a la mémoire collective qui est Collectif de quoi? De quel collectif? de l'univers, du cosmos. D'accord, ok. Et ensuite, ce que je vois, c'est comme une cellule en fait qui se forme directement. D'accord. Comme Quand tu une parles de goutte mémoire collective, est-ce que tu parles de mémoire akashique? d'eau. Non. Non, c'est pas ça du tout. Non, non. On parle d'autre chose. Là, ça me ramène. Non, on parle d'autre D'accord, chose. ok. J'essaie juste de te faire comprendre, en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé cette sorte de mémoire. Y a pas, on n'est pas allé chercher une planète ressource, comme tu dis. Mais par contre, on est allé chercher comme une goutte d'eau, en fait. Cette mémoire collective qui est là, des informations qui sont là. T'aimes bien les gouttes d'eau, hein? Ouais, mais en fait, parce que je vois la manifestation en fait de cette particule de lumière comme une goutte d'eau, comme ça, et puis je vois la manifestation en fait de l'énergie de cette conscience qui devient une sorte d'animal, en fait. Et cette conscience, elle vient d'où? Ben là, elle est, hein, la conscience, elle est déjà. La conscience, elle est déjà là, elle est déjà présente, elle est déjà dans l'univers, en fait. Elle est déjà. Le cosmos même est déjà une conscience aussi. Oui, d'accord, mais elle ne se détache pas de la source pour s'y manifester spécialement. Elle est déjà là dans l'univers, en quête de manifestation, c'est ça? Ou... Oui. Et elle Oui, c'est porte ça. en elle-même, on va dire, le schéma de sa manifestation, par exemple comme un animal? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je ne comprends pas. Bah, En fait, elle a puisé dans la mémoire collective du cosmos et de l'univers. Alors là, je parle de Sophie, pour se manifester en animal, en être de lumière. mais ça, c'est après qu'elle ait quitté sa manifestation en forme de lune. Oui, parce qu'il y a eu des transformations qui se sont faites des particules. Et la lune, qu'est-ce qu'elle devient alors, une fois qu'elle elle s'est Ben là, manifestée? elle était particule pour construire. Cette planète-là, c'était une particule en fait, Ah, donc. énergétique. C'était pas une lune 3D comme tu peux l'imaginer en fait. C'était Ce sont une. alors, c'est les particules de la Lune, en fait, qui vont former cette future planète. Voilà, Elle va c'est se pas des choses. désintégrer pour former la planète, c'est ça que tu veux dire? Oui, enfin, c'est intégré, oui, parce que ce sont des dimensions en fait, c'est interdimensionnel. D'accord. Et c'est pour ça que je vois après cette mémoire collective pour te faire comprendre. Qu'elle a puisé et que cette goutte d'eau qui se manifeste ou se transforme en cinquième dimension en sorte d'animal, quelque chose comme ça, de lumière, parce que c'est quand même ça vibre fort. Oui, c'est en 5D, oui. Ok, et là, ça se manifeste en plusieurs types d'animaux, c'est ça? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs consciences, parce qu'il y avait déjà plusieurs consciences dans ces particules de Ben, base. ça veut dire qu'avant ça, il y a un biotope qui s'est installé, alors. Il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait tout un biotope Pas avant. de, Enfin, quand je dis d'eau, c'est genre eau primordiale ou autre, quoi. c'était pas forcément de l'eau primordiale non plus. C'était juste pour t'expliquer la manifestation comment moi je l'aperçois en fait de l'énergie. Ça ressemble comme une goutte d'eau et ça se manifeste. C'est pas vraiment de l'eau. Ensuite, oui, comme on est passé de genre, je t'ai dit, de la dixième dimension à la cinquième dimension, donc il y a eu de la transformation. De cette conscience, Des cycles de densification. de l'amélioration, de la densification et des cycles. D'accord. Bon. C'est pour ça que je voyais différentes parties de temps aussi, dans des cycles de temps. D'accord. Alors, celle qui est Sophie avec nous aujourd'hui, donc elle est dans cette manifestation sous forme de quoi? Tu me dis caméléon? Non, c'est juste que je te montrais exactement tous les Ouais. animaux qu'il y avait, Elle parce que ressemble tu à m'as. quoi là alors, du coup? Donc, elle est assez. Comment dire, géante, j'ai envie de dire. Comme une sorte de grand mammouth géant blanc transparent, si je peux assimiler à la D'accord. Terre. Ok. Bien. Et donc là, elle a une fonction particulière ou c'est simplement elle existe et point. Elle existe et il y a de l'équilibre aussi Participe à l'équilibre du tout. de cette et voilà, de cette Ok. manifestation de cinq dimensions.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se trouve après incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je vois des consciences venir la récupérer, la chercher, lui proposer de venir dans l'espace terrestre. Des consciences qui viennent d'où? De l'espace terrestre. Ah bon? D'abord, il y a des consciences de plusieurs univers, en fait. Il y a des gens qui, il y a des personnes qui observent aussi. Je vois des humanoïdes observer dans d'autres univers, d'autres cosmos et dans le système solaire et dans nos constellations à nous, qui observent en fait cette transformation-là. Et en fait, je vois une humanoïde venir lui proposer, venir la chercher, comme une sorte de mission en fait. Ouais. Et cet humanoïde, il vient d'où alors du coup, celui-là? Du système solaire. Ouais, et d'une planète connue ou d'une étoile, ou d'où est-ce qu'elle vient celui-là? Non. Du système solaire, c'est-à-dire des planètes que l'on connaît, et notamment déjà de la Terre qui était en formation. Ah d'accord, en terraformation, d'accord. Ok, et cet être, il vient donc lui demander de venir dans l'espace terrestre. Oui. Pour faire quoi? Ah, j'ai le terme Andromède d'ailleurs. Donc c'est un Andromédien qui était sur la construction de la Terre, qui va dans qui participe l'univers. À la construction de la Terre. Exactement, qui va chercher, lui demander à Sophie, sous forme donc de cet être, Mamou. De venir ensemencer ou de venir apporter cet équilibre, ces particules dont elle émane, pour participer à l'équilibre de la Terre. Parce que je vois toujours en fait ces particules-là, en fait. Okay. Dont elle va participer à l'équilibre ou elle va participer à une création? Les deux, ça fait partie. Qu'est-ce qu'elle va participer à quelle création alors? Quel type de création? J'ai l'élément du gaz, de plusieurs gaz sur Terre, et de l'oxygène aussi, peut-être par rapport aux animaux, qu'elle doit aussi ensemencer. Ok. Oxygène, c'est-à-dire qu'elle porte en elle des particules, des mémoires de gaz et d'oxygène, c'est ça? Qu'elle Oui. va libérer dans l'espace terrestre pour constituer... Oui. Pour constituer son atmosphère. C'est ça en gros? En 3D, oui, c'est ça. Et parce je suppose qu'il n'y a pas qu'elle qui fait ça, il y a de nombreuses consciences qui viennent faire ça, non? Oui, tu m'as parlé de Sophie. Ah ouais, non, mais c'est pour comprendre. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc elle fait partie de cet ensemencement, on va dire, de l'atmosphère de l'espace terrestre. Oui. Et l'espace terrestre, à ce moment-là, il est dans quelle dimension? Cinquième. Cinquième. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis dans une série. Hier, c'était par rapport à le sel dans l'eau. Enfin, c'est intéressant. Ok. Bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre, elle va se manifester de plusieurs façons avant d'arriver d'être humaine ou pas? Oui. Elle va se manifester en quatrième dimension aussi. Sous forme d'animal. Toujours, en fait, elle participe aux constructions aussi, de dimensions, je la vois. D'accord. Et comme elle a proposé, géré l'oxygène aussi, elle va elle-même se manifester en animal 3D pour en faire l'expérience. Quel type d'animaux elle va revêtir alors? Là, ça me revient le caméléon. Ça me revient le caméléon, par exemple. D'autres types, alors je dirais pas de dinosaures, mais c'est des sortes de reptiles, mais aussi à poils, un peu comme le mammouth, même si c'est pas vraiment un mammouth. Ces genres d'animaux-là, en fait, à cette époque-là. Des espèces qu'on ne connaît pas, quoi, qu'on n'a jamais découvert. Non, parce qu'on est dans une ère et des cycles aussi de terraforme. Et puis on est en 5D, donc il n'y a rien qui peut rester. Elle s'est manifestée en 4D et après en 3D, je suis déjà là. Ah ouais, d'accord. Et on n'a pas trouvé 3D, de... Elle façonne l'oxygène, le gaz, tout ce qui est volcan. Enfin, tu vois, je vois qu'il y a quelque chose que la Terre est vraiment en train de se former aussi en troisième dimension. On est au tout début. D'accord. Okay. Avec ces animaux-là. Et c'est une époque où la vie humaine n'est pas encore présente, je suppose. Non. Ah, non. D'accord. Bien, donc si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, quand à sa première incarnation humaine, qu'est-ce qui s'est passé là?
Comment est-ce qu'elle est arrivée dans une incarnation humaine? Est-ce qu'elle l'a choisie? Est-ce que c'est par voie de conséquence? Est-ce qu'elle y a été poussée? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été projetée. C'était pas prévu au programme et j'ai l'installation de la fausse matrice à ce moment-là aussi. On arrive souvent dans le même scénario, hein. C'est La douloureux. matrice arrive et paf, tout se densifie et tout se projette dans les roues, quoi. Ouais, c'est très douloureux d'ailleurs ce passage-là. Ah ouais, avec perte de conscience et tout ça, quoi, comme d'habitude. Ouais, mais j'ai aussi des douleurs physiques. C'est comme si on me plantait des couteaux. Voilà, chercher le mot. C'est comme si on me plantait des couteaux. J'ai la sensation dans le ventre, dans le cœur. Moi, j'ai pas de cœur. Sa dernière manifestation avant d'être humaine, c'était quelle sous quelle forme? C'était animal ou pas? Oui, j'ai des oiseaux, Oiseau? de perroquets. Perroquet. Ça, c'est la dernière forme qu'elle a revêtue avant d'entrer dans la fausse matrice, dans les roues d'incarnation. Oui. Et donc, elle est passée par une désincarnation pour entrer dans ces trous. Oui. Et la désincarnation, ça a été naturel ou a été provoqué? Provoqué. Ah, de quelle manière? Je vois des entités, en fait. Je sais pas exactement, mais bon, je vois une mort. De quelle manière, je sais pas exactement la mort. Ouais. Mais en tout cas, je vois des entités derrière, Qui la récupère? comme si on l'avait extirpée. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Ah, Il y a, et on a empêché le cycle naturel, en fait, des incarnations. d'accord, ok. Donc là, c'est comme un accouchement au forceps, quoi, en gros. Oui, tu peux dire ça comme ça. Ok. Et je ressens toujours ces coups de couteau-là, c'est assez impressionnant. C'est quoi ces coups de couteau? C'est l'entrée dans cette roue, c'est ça? Non, c'est comme un choc. Un choc Aussi. énergétique. Dimensionnel, oui. Comment dire, comme s'il y avait quelque chose qui était dévié dans le cycle naturel, c'est pas normal. C'est très violent en fait, Et c'est ça crée de comme la souffrance, quoi. la souffrance et puis des violences aussi. Il y a des violences psychiques, par exemple, je sens tout d'un coup. D'accord. Ouais, ça crée des désordres, quoi. Et sa première manifestation humaine, c'est où alors, juste pour l'histoire? Comment on appelle ça? Elle est comme une Cro-Magnon, j'ai envie de dire. Cro-Magnon, genre Une préhistoire, préhistorique, quoi. préhistoire. Bien que de ce qu'on appelle la préhistoire, on a beaucoup de fausses informations, mais en tout cas, Oui, mais on va c'est dire très large. homme primitif, quoi. J'ai envie de dire moins 50 000, si tu veux. Quelque chose comme ça me vient. D'accord. Bon, j'ai un peu du mal avec les datations parce qu'on sait que. Alors, bon, ok, c'est pas grave, on va pas tenir compte des datations, hein. Mais c'est voilà, donc ok, préhistorique. Bien, ben maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas dans sa manifestation de cette boucle de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà, ce fut fort intéressant. si tu regardes son ADN, dis-moi si tout son ADN est issu de son essence ou s'il a été trafiqué. Il a été touché, Ah. oui. C'est minime. Quel pourcentage? On est à 0,5%. Mais ça avait commencé, oui. Altéré ou c'est une inclusion d'ADN étranger? Non, c'est altéré. Altéré? Ok. Bien, qu'est-ce que ça écrit comme problème ça? Le désancrage de sa vie humaine, d'être humain. D'accord. Ok. Bien. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, en son nom, puisque nous avons sa permission, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Voilà, à part ces deux membres, qui vois-tu d'autre? J'ai des entités démoniaques sur ces corps subtils. Elles n'ont pas de petites mains, là, les petits gris, tout ça, non? Non. Non? Non. Elles font elles-mêmes le travail? Moi, ouais, je lui demande aux commandes de cette opération-là. Oui. Et c'est bien elles qui ont créé cette bulle bleue? Oui. C'est elles qui ont C'est des installé capsules. le tuyau, tout ça, c'est elles qui l'ont installé? Oui,
Avec scaphandre. Ouais. Ok. Ce sont deux par être humain. Ok. Donc, les démoniaques, elles appuient sur quelle faille? Alors là, il y a, on va dire, tous ces corps subtils, le mental, l'émotionnel et même l'éthérique physique. D'accord. C'est-à-dire que, bon, au niveau du corps mental, c'est beaucoup de croyances. Elle n'arrive pas à dépasser, en fait. Quel type de croyances? Alors, elle n'arrive pas à dépasser. C'est-à-dire comme c'est comme si on l'avait enfermée dans un bocal. Et qu'une fois qu'elle a eu l'expérience d'un trauma, on va dire, ou de quelque chose, même si c'est infime, même si c'est pas très important ou très grave en tant qu'événement, mais ça peut rester comme une croyance sur une expérience. Et du coup, l'expérience aussi, elle est complètement décalée avec la réalité. Et donc, ça va l'accompagner tout au long de sa vie. Donc, elle n'arrive pas à dépasser des états d'être par rapport à ses croyances. Et les entités démoniaques restent dessus, en fait. Tu as un exemple de croyance qui s'est constituée comme ça? De croyance dominante, regarde. Alors là, j'ai sur des peurs, par exemple, donc ne pas arriver à dépasser des peurs. Alors, je ne sais pas, ça me vient pour le couple, je ne sais pas pourquoi, dans le couple. Des peurs dans le couple. Donc, que ce soit lié à une séparation, un abandon, quelque chose comme ça. D'accord, c'est lié à l'abandon plutôt. Oui, il y a des séparations aussi. Est-ce que c'est-à-dire que même si, par exemple, je vois Sophie en couple, et déjà là, en fait, c'est comme si elle se mettait ses croyances de peur de séparation, alors que tout va bien. Il y a un décalage de réalité. D'accord, ok. Et donc, du coup, elle adopte des comportements qui vont être dysfonctionnels et qui vont défavoriser le couple, quoi, c'est ça? Exactement. Ah, ok, d'accord. Bien, ben, voilà. Alors, qui vois-tu l'autre? On a vu aussi les entités démoniaques dans le corps émotionnel. Ouais. Donc là, le corps émotionnel, c'est beaucoup d'anxiété, je trouve. Enfin, il y a beaucoup de stress. C'est en arrière-plan, mais c'est antérieur. C'est intérieur, j'ai envie de dire. Et ça aide pas, j'ai envie de dire, à réfléchir, à se poser, en fait, et à lâcher prise. Voilà. D'accord. Ok. Et le corps éthérique aussi, les entités démoniaques sont sur son corps éthérique. Et lui provoque des états de veille. C'est comme si on l'endormait, ah ouais. On pouvait maîtriser en fait un peu son. Alors déjà, il y a sa situation quand même, hein, aussi, je vois, par rapport aux hanches, où elle est complètement désancrée. Mais les entités démoniaques profitent de cette situation-là, à son niveau. Donc le fait qu'elle ait souvent envie de dormir, qu'elle dorme très longtemps et dans ses relations, qu'elle se sente un peu anesthésiée, ça vient de ça, en gros? Oui, au niveau du corps éthérique. Donc là, c'est les entités qui créent cette situation. Elles appuient sur cette faille au niveau de la hanche, c'est ça? Oui, qui est déjà déstabilisée et dysfonctionnelle dans la partie basse de son corps, en tout cas. D'accord, elles accentuent. D'accord, ok. Alors, qui vois-tu d'autre jusqu'au plan archiavélique? Alors, en arrière-plan et dans les quatre coins, il y a des gestionnaires de la matrice qui remontent en hiérarchie jusqu'aux archontes. Comme d'hab. Tu vois des parasites? Non. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif, vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Donc maintenant, Sophie se place dans une bulle cristique de protection.
Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se revigore, prend de la vitalité, se restructure et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu, Sophie, à présent? J'ai un soulagement là, au niveau du chakra du cœur. Bien, c'est un bon début, mais c'est que le début. Donc, maintenant, j'aimerais que tu me dises comment réagissent ces entités. Donc elles sont en train de paniquer, elles sont en train de chercher déjà les sauvegardes et les puces. Je les vois en train de s'affairer. Ah, très bien. Bon, déjà, on va toutes les bloquer, hein, comme un arrêt sur image, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, là, tu vas te repositionner en arrière, à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose. Oui. Voilà, et là, donc, tu ouvres un portail dimensionnel et on les vire toutes. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, on regarde s'il reste quelque chose sur la bulle énergétique donc de Sophie. Oui, il y a des cicatrices, en fait, des traces énergétiques. Alors, on les enlève sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, au système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose en Non, arrière-plan. Rien du c'est tout. bon. Bien. Alors maintenant, regarde ces entités, dis-moi si elles ont encore un moyen de la trouver et de la repérer. Elle déploie des lignes de temps. Combien est-ce que tu en comptes? Elle a 12 Et combien de dimensions au sein de chacune? sur 4 dimensions. Alors on élimine tout, ouvre un portail. 1, 2, 3, sur tous les plans comme précité. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Maintenant, on regarde si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Il y a les sauvegardes. On les a pas, on les a enlevées, les sauvegardes. Non, 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 on ne les a pas enlevées. Sont là Bon. alors. Hein? Elles sont, donc, elles sont dissimulées là? Oui. Donc, tu les vois clairement? Oui. Allez, on élimine. 1, 2, 3. Oui. C'est Bien. bon. Maintenant, tu vas regarder si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer, mais d'une façon encore plus dissimulée. Ces hanches, l'énergie en fait des hanches décalées pour les à la Ouais. repérer la réincarnation. Je Et la qu'est-ce qu'il y a vois. dans ces poches? Cette énergie en fait qui était inscrit là, on peut dire comme une sorte de disque. D'accord. Donc, pareil, on va l'éliminer. Donc là, je compte à 3, on élimine. 1, 2, 3. Oui. Est-ce qu'il Voilà. reste quelque chose encore en arrière-plan par rapport aux hanches? Non. Plus rien? Non, c'est bon. Je suis bien. Voilà. Donc elles n'ont plus aucun moyen de la retrouver, de la repérer. Elles n'ont rien dissimulé. Au niveau de l'ADN, elles ont fait. Elles l'ont trafiqué, mais elles n'ont pas fait de prélèvement. Non, je vois pas. En fait, je suis très calme. Et au niveau du sang qu'elles ont ingurgité, il n'y a pas des liens à couper? Non plus. En fait, j'ai l'impression que tout est parti déjà dans les sauvegardes. D'accord. Le Ah lien bah avec tant le sang, c'était des sauvegardes. Voilà. Je sais bien. pas, je suis bien, je vois demain, je suis bien, je suis calme. Eh ben, écoute, on va pas chercher ce qu'il n'y a pas. Hein. L'important, c'est qu'il n'y ait plus rien. On va regarder maintenant le sensor supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morentiel, il observe. Comment est-ce que tu as son âme? Elle a peur, elle est anxieuse encore. Ok, et sa partie subliminale? Elle est beaucoup plus stable, mais elle a peur elle aussi. Je sens de l'anxiété dans la partie subliminale. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan Morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur
dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Oui. Alors nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moroncel, je suppose que la partie d'elle qui y réside sait pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Sophie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Sophie. De vivre sa vie pleinement, sereine, en paix intérieure et reconnectée avec toutes ses parties. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il l'invite à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a des discordances d'énergie éparses, comme ça, sur l'arbre, qui décalent la réalité des consciences, en fait, je dirais, de chacune d'entre elles. Qu'est-ce que ça implique comme dysfonctionnement pour chaque âme? De ne pas s'entendre correctement, de ne pas se voir correctement, de ne pas avoir en fait, toutes les informations complètes. Oui, donc ça altère leur relation, c'est ça que tu veux dire? Les relations, ça peut être dans des suppositions aussi de l'autre, se créer des fausses situations, fausses expériences. D'accord, comment tu vois que ça impacte particulièrement Sophie? Ça la décale et ça l'isole aussi des uns et des autres. Voilà, en général c'est ça. Il y a une D'accord. création aussi du sentiment de séparation, une sorte d'abandon. Ce n'est pas vraiment le sentiment d'abandon, mais c'est une sorte. Ok, on y revient. Ok. Bien, alors on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière, là? 46. 46 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là? L'arbre sort des roues d'incarnation et se fait happer par des entités démoniaques. C'est comme s'ils accrochaient des boules de sapin, c'est les boules de Noël, mais en énergétique. Ce qui permet cette chose un peu éparse, ces énergies éparses. Qui décalent. D'accord. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Alors, tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence soudaine qui le sort du champ de perception de ses entités. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se ravigore, il s'expanse. Les âmes se libèrent de leur réalité et se reconnectent entre elles. Comment vois-tu que ça impacte Sophie? Elle se sent remplie d'amour, de reconnexion. Elle voit la réalité réelle des échanges, des communications. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui. Allons-y.
Oui. Voilà. À présent, elle enrousse un arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 24% et réinformer le reste. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon. À présent, on va s'occuper de son ADN. Donc, il y a ces 0,5% de trafiqués. Est-ce qu'on peut les éliminer maintenant? Oui. Alors, on les élimine dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois un arrière-plan. Non. Donc, elle le remplace par sa propre essence. Oui. Voilà. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? J'en vois 6 et il y en a 4 de connectés. Ok, alors est-ce qu'elle peut connecter et y activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle ajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va stabiliser fortement sa base énergétique et physique. C'est fait. Bien. Maintenant, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde au juste si tu en vois en arrière-plan. Non. Bien, maintenant regarde si tu as des programmes spécifiques liés au manque. Oui. Idem, 1, 2, 3. Oui. À la limitation. Non, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À l'oubli. Oui. 1, 2, 3. Oui. La peur. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. À l'abandon. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. La sécurité. Oui. 1, 2, 3. Oui. Loyauté. Oui. 1, 2, 3. Oui. Légitimité. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. L'estime, l'image et la valeur de soi. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. De tous ces programmes, est-ce que tu vois d'autres en arrière-plan? Non. Donc elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite santé, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et de ces façons, lance la ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare,
que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer, la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Et je vais conseiller à Sophie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite, comme d'habitude, les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être et qui empêchent, entravent, limitent son autonomie, sa liberté, son discernement, sa souveraineté, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, son auto-guérison bien sûr, et un équilibre et une harmonie parfaite sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. Et à présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux, et de tous mes codes de perception, de tous mes corps, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous leurs contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Décidément, j'ai un problème aujourd'hui. Bien. À présent, nous allons aborder la question psychologique. Donc, si tout ne concerne pas Sophie, tout y est proposé. C'est elle qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir et j'en passe et de meilleur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. « Je me pardonne totalement en tout et pour tout. » Oui. « Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. » Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. D'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons éliminer les mémoires akashiques. Elles ne conservent bien sûr que ce qu'elles estiment juste et bon pour elles. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'enseignement de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelque traçage ou marquage matriciel ou archaïque ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y a pas. Alors elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? Elle est de forme humaine, elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double de muscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les particules quantiques mères aux particules quantiques primordiales. Oui.
la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions reçues. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Maintenant, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons éliminer toutes les traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller, bien sûr, à Sophie d'être de pleinement visualiser et ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. Donc à partir de son chakra cardiaque, se déploie une onde puissante et tourbillonnante englobant tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée, les deux couleurs dorées. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, réinitialisant et reliant les organes et systèmes entre elles et entre eux. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse des amas denses et sombres de mémoire traumatique hors de la sphère sécurisée. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale jusqu'au chakra coronal avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, évacuation, émonctoire, élimination. Oui.
reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes. Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale, au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel avec lequel elle vient accorder chaque vibration, chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne les points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Rééquilibrage et ajustement des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous abordons les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Et que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double de l'hémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7. C'est fait. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous procédons à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Pour ce faire, je te laisse les rassembler et tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde-t-il en reste en arrière-plan ? Non. Bien. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, les programmes de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des cinq éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Éther. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans déjà précités. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et donc, que les polarités soient rééquilibrées au point zéro. Oui. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, nous allons faire le tour de système, d'abord globalement, ensuite individuellement, et après nous abordons ces points. Donc, en regardant globalement tous les systèmes, que vois-tu à éliminer ? Et des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations de compensation de l'élémental, des habitudes de fonctionnement. Il y a des programmes de réaction aussi de l'élémental. Alors, on élimine tout ça comme précité. 1, 2, 3. Oui. Alors, regarde juste si tu en vois en arrière-plan. Non.
donc je ne te le demanderai plus, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé, ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, individuellement, donc maintenant, on regarde les systèmes endocriniens, immunitaires et hormonaux. Que vois-tu éliminer pour chacun ? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Et que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui. En harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder sa glande pinéale avec donc la production de valantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et qui contribue au système d'auto-guérison. J'aimerais savoir, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite ? 55%. Donc tu la programmes pour être alité à combien avant la séance ? 43. D'accord. Tu la programmes pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes en réaction de l'élémental et des habitudes de fonctionnement également. Alors on élimine tout ça sur tous les plans que vous me précitez. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné, retissé, ce qui doit l'être. Oui. Et regard l'équilibre du cerveau droit-gauche. Oui, à rééquilibrer. Allons-y. C'est fait. Vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade. Jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. On va en arrière-plan ? Non. Bien. Alors, système neuronal, globalement, vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Toujours neuronal, mais plus spécifiquement, les zones qui concernent la mémoire, celles qui concernent les systèmes cognitifs, celles des systèmes perceptifs et ceux des systèmes de communication. Que vois-tu, est-ce que tu vois des reconnexions à faire ? Oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu ? Oui. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire ? Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, les systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Des mémoires traumatiques, des programmes de compensation de l'élémental et d'habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent les systèmes digestifs, métaboliques et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques, des programmes de fonctionnement, de compensation, mais aussi de réaction de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Et donc, en harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Voilà, alors à pouvoir aborder ces points, donc le premier qu'elle a évoqué, c'est cette grosseur sur la tempe gauche. Regarde à quoi c'était dû. Alors je vais te dire qu'il y a une image qui m'est apparue avant que tu me parles de la grosseur, au moment de la mémoire, du système de la mémoire. Et là, je revois en fait cette image par rapport à la grosseur. J'ai l'impression de voir comme des cristaux de couleur vert bleuté. Et j'ai la sensation qu'il y a un rappel de son origine, en fait, dans les particules. Alors, quand je dis cristaux, c'était juste pour imager, en fait, ce que je voyais. Mais c'est comme si on voyait les cristaux de particules. Je sais pas si tu C'est comprends. énergétique, quoi. C'est énergétique. Ouais, de son origine, en fait, de son origine stellaire, j'ai l'impression. Et qu'est-ce qu'ils font là, ces cristaux? Ben, c'était dans sa mémoire, en fait. Tu as parlé du système de mémoire. Ouais. Et en fait, c'est comme si, donc là, ça me revient par rapport à la grosseur, c'était comme pour lui rappeler qui elle était. Comment je pourrais dire ça? C'est comme une conséquence, en fait, sur l'élémental, cette grosseur-là. Mais je crois qu'il y a aussi les yeux aussi. Hein. C'est comme si c'était pour lui rappeler son essence. C'est l'élément qu'on voulait lui rappeler ça, en jouant sur la mémoire, c'est ça que tu veux dire? Non. C'est pas D'accord. spécialement l'aimante. Là, alors l'aimante, par contre, ce qui a été rajouté, c'est l'aspiration là. Parce que là, je Oui. viens de revoir sa tête qui est toute aspirée. Donc ça aspire toute son énergie vitale. C'est ce qui permet à l'élémental en fait de réagir, qu'il y a des programmes de réaction. Mais en fait, au tout début ou tout premier lieu, c'est vraiment un rappel, comme si c'était un rappel de son soi supérieur, si tu veux. Mais c'est de son essence d'origine. Mais d'origine de cette planète, tu veux dire, où elle était sous forme d'espèce d'éléphant? De qui elle était avant qu'elle oublie, Mais exactement. pourquoi? Pourquoi c'est important qu'elle se rappelle de qui elle était dans cette Parce existence? qu'elle était dans des sentiments d'oubli. D'accord. Mais pourquoi? Il y a un sentiment fort de l'oubli et ça l'a étriqué en fait. Et par-dessus cette situation énergétique avec l'aimante, ça a réactivé en fait. Ça a amplifié plutôt, je dirais. Et donc là, je vois toutes les conséquences en fait au niveau de son élémental. Qu'est-ce Ça qui a fait été amplifié? J'ai pas compris. Ça a ça, amplifié quoi? ça fait doublon en fait. Les réactions de l'élémental en fait. Le Ah. programme qui a été amplifié, c'est les réactions de l'élémental, puisqu'on parle de la grosseur. Ouais. Et c'est quoi la réaction de l'élémental alors? Ben, comme il est aspiré aussi, donc il compense, et il y a des programmes de réaction. Donc, comme il y a une compensation, ben, il fait ressortir cette boule-là. Il y a un Ah. problème au niveau des yeux. Je vois aussi, je ne sais plus si elle avait parlé d'assèchement. La vision qu'elle voit de moins en moins. Ouais, mais il y a quelque chose aussi avec l'assèchement, parce que c'était lié aux cristaux. Autour des oreilles, les sécheresses, hein, et Ah, eczéma. les oreilles. Bon, ben, c'est cette partie-là. Donc, j'ai bien vu l'assèchement. Ok, c'est les oreilles. D'accord. Et l'aspiration de l'énergie vitale aussi par rapport La à perte de cheveux aussi, qui était, c'est ça? cheveux. Exactement. Perte de cheveux. D'accord. Ok. Bien. Alors, ceci étant maintenant compris. Qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça maintenant? Donc on va traiter tout en même temps toutes ces parties concernées, les yeux, les cheveux, donc les eczémas autour des oreilles. On est d'accord? Et cette grosseur sur la tempe gauche. On est OK? Oui. Et tout ce qui a été impacté en fait par cette aspiration, puisqu'il n'y a pas que là que ça a été, il y a eu un impact. Il y a eu d'autres parties de sa physicalité. Oui. Donc dans toutes les parties qui sont concernées, qui ont été impactées, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer? Mémoire somatique avec écho et résonance, des programmes donc de compensation. Il y a eu des programmes de réaction de l'élémental très fort. Et après des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. On va reconnecter et informer tout ce qui doit l'être. Oui. Attends, avant ça, on va travailler spécifiquement sur les parties maintenant. Donc cette grosseur sur la tempe gauche, on invite son élémental
à installer une programmation pour sa disparition, puisqu'il a su la créer, il va la décréer. Oui. Voilà. Pour la sécheresse et eczéma autour des oreilles, on peut mettre de l'eau primordiale déjà. Hein? Oui. Et puis un baume donc, qui va résorber cet eczéma partout où il y en a. Oui. Voilà, tu as autre chose à faire là, à ce niveau-là? Non, c'est correct, ça va se rééquilibrer. Déjà. Pour la perte des cheveux, pareil, donc on va mettre des cellules souches avec de l'eau primordiale et mettre des énergies spécifiques pour favoriser la repousse. Oui. Oui, c'est bon. Voilà, pour son système visuel qui diminue de plus en plus, qu'est-ce que tu vas y faire spécifiquement? Il y a un rééquilibrage et aussi, je ne sais pas s'il y avait de l'assèchement aussi. Moi, j'ai l'impression l'eau primordiale. Ouais. Donc déjà, on va mettre de l'eau primordiale. Oui. Et puis spécifiquement, on va reconnecter et réinformer. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer et synchroniser. Oui. Voilà, réunir aussi, c'est ce qu'il doit être. Oui. Voilà. Tu voulais dire autre chose? Oui, je voulais dire autre chose parce que j'ai vu comme une sorte de chronomètre. C'est une horloge en chronomètre, en fait, comme pour dire qu'il y a un rééquilibrage du temps aussi à faire par rapport à sa physicalité. Parce, tu sais, par rapport à ce qu'elle était dans, tu sais, ses espaces-temps au début. Ouais. Lunaire. En fait, il y a une réintégration de cette origine qui va se faire aussi dans jusqu'à sa physicalité en 3D. Ok. Voilà. Je sais pas. Très bien. Bon, bah déjà, on va regarder ça tout à l'heure. Déjà, ça, on va stabiliser, sécuriser, pérenniser et concrétiser tout ce qui a été fait maintenant. Oui. Bah, toutes les parties qui ont été travaillées. On est d'accord? La tempe, les eczémas, perte de cheveux, vision. Ok. Voilà. Maintenant, problème circulatoire, des varices dans les jambes, de la coupe rose sur le visage. Qu'est-ce qui provoque ça? Tout ce qui est l'énergie inférieure, je dirais de là jusque là, qui étriquait en fait son élémental. Il y a ouais. Les hanches aussi qui sont décalées, donc qui provoquaient des blocages dans la circulation. Bah, ce sont des réactions et de la compensation en fait. Et puis, pareil pour la coupe-rose. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vois qui a éliminé maintenant? Alors, si on travaille toutes les parties concernées, y compris pour le visage, pour la coupe-rose. Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmes de compensation, de réaction et d'habitude de fonctionnement par découlement. Ok. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans. Je suppose que les mentales a remarqué que la situation a changé. Hein. Ah oui. Et on élimine. 1, 2, 3, complexité. Oui. On reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. Donc, pour le système circulatoire, que ce soit les veines, système veineux pour les varices, ou pour tous les micro-sanguins donc sur le visage. On va y mettre une énergie spécifique d'assouplissement des vaisseaux, tu vois, une force aussi de vie équilibrante pour la circulation du sang. Oui, il y a quelque chose aussi qui doit partir du cœur aussi. Ah, regarde. Justement, on doit mettre quelque chose, parce que la circulation sanguine aussi, ça se pompe et ça se réactive à partir du chakra du cœur, en fait. Ouais. Ça se diffuse correctement après partout. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à placer là pour que ça puisse se faire? Je ne sais pas exactement. Je vois ce qui se produit. C'est comme si on avait mis une capsule. Alors, ce n'est pas de l'eau primordiale, mais il y a quelque chose qui est réactif, qui booste. Bah, écoute, elle se connecte directement à la source. Elle fait descendre l'information originelle, etc. Elle fait tout descendre dans toutes ses parties. Oui. Voilà. Comment tu vois son chakra cardiaque maintenant? C'est parfait. Ben voilà, c'est la clé. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant pour tout le système circulatoire?
aussi bien les micro-vaisseaux que le reste. Il s'est rééquilibré, il est stable, c'est ouvert, ça circule, c'est fluide. Ben voilà. On va demander à l'élémental de faire ce qu'il faut pour faire disparaître cette coupe rose. Oui. Et pour remettre en état donc ces systèmes veineux dans ses jambes. Oui. Voilà. Programme et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà, tremblement dans la main gauche, alors, voilà, avec son épaule qui s'engourdit. Et qu'est-ce qui se passe pour sa main gauche? Ça, il y a eu aussi la droite, mais là maintenant c'est la gauche. De quoi s'agit-il? Voilà, ce que je perçois là tout de suite, c'est l'énergie en fait dans laquelle elle se trouvait, dans la partie basse, à partir des épaules. C'est ce qui provoque cet engourdissement. Puisque de toute façon, tout est un peu étriqué dans cette énergie. Donc, c'est plus une conséquence, je dirais, parce que ça part de l'épaule. Là. En fait, c'était d'accord. Les deux côtés. Ça dépend après des influences. Ok, bon. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant pour que tout revienne à la normale? Il y a des empreintes traumatiques, des programmes de compensation, de réaction de l'élémental. D'accord. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Donc on va reconnecter et réinformer tout ce que vous êtes. Je suppose que le système nerveux doit être intéressé pour ça. Oui. Hein? Donc on reconnecte et réinforme tout ce qui doit être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Est-ce qu'il doit des raisons pour lesquelles sa main pourrait encore être en tremblement? Oui. Non, parce que ça partait de l'épaule, en fait, le problème initial. Donc là, c'est résolu. Donc là, c'est stable. Parfait. Alors, apnée du sommeil, regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle fasse de l'apnée du sommeil? Alors, il y a les entités démoniaques. Alors déjà, il y a sa situation énergétique. L'énergie vitale est déjà complètement épuisée. Mais les entités démoniaques sur le corps mental, si je bien sois, qui la mettent dans cet état de veille... sommeil, corps mental, sur tous les corps en fait, émotionnel et éthérique. Ça, ce sont des conséquences. Ok, et cette compression éventuellement, non, qui ne doit pas y avoir une... La compression n'a pas de responsabilité aussi dans le fait de cette apnée du sommeil? Non, là non. Quand tu dis compression, ça ne fonctionne pas, non. C'est plus le côté veille, l'endormissement profond. En fait, qui la met dans cet état, avec l'énergie vitale qui est épuisée. Aspirée. Voilà. Okay. C'est bien. Et les entités qui appuient sur tout ça, sur tous les corps. Bien. Enfin bref, ici et maintenant, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer pour éradiquer cette situation? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. Là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et rotissé. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, est-ce que tu verrais des raisons pour lesquelles elle aurait encore de l'apnée du sommeil? Non. Non, c'est régularisé, il n'y a plus d'entité. Je voyais que c'était elle qui appuyait quand même fortement. Elle respire et elle dort tranquillement. Parfait. C'est stabilisé en tout cas. Très bien. Ok, alors justement, donc, le premier point qu'elle a évoqué après la santé, c'est qu'elle dort énormément. Hein, voilà. Ça influe dans sa présence au niveau relationnel. Bon, il y a ce qu'on a vu, on vient de le dire, donc c'est travaillé. Est-ce que toi, tu sais régler maintenant, alors, au niveau du sommeil? Oui.
Je me sens très calme, apaisée et serein dans mon sommeil déjà, avec une stabilité et un chronomètre, j'ai envie de redire, correct. Je suis dans un D'accord. espace-temps et une réalité qui est la 3D, donc c'est stable. Donc, il n'y a pas de sommeil excessif, pas d'envie, de besoin de dormir excessivement. Non, là, c'était les entités, ouais, qui appuyaient sur ça. D'accord, ok. Bien, deuxième point au niveau de l'argent, de l'endettement, qu'est-ce qui se passait alors avec le fait qu'elle manque d'argent, qu'elle soit endettée, etc. Qu'est-ce qui se passe avec cette énergie, argent? Alors, j'ai vu quelque chose au niveau de l'arbre généalogique d'un ancêtre, je dirais. D'un ancêtre, c'est plus un homme d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, en lien avec elle, enfin en lien, puisque c'est le lien direct de la lignée. Avec la problématique. Voilà, sur quelque chose comme des ruines ou quelque chose qui n'a pas été bien géré dans cette entreprise. Donc voilà, ça découle directement sur son manque d'argent. Bien, Et donc, donc ça veut dire qu'il y a des liens à couper. oui. Ben, elle va les couper tout de suite. Allez, 1, 2, 3, et dissoudre les racines. Oui. Voilà. En ce qui concerne l'arbre, je suppose que c'est on a réglé ça. Oui. En ce qui la concerne, elle, qu'est-ce que tu verrais qu'il y a à éliminer encore en lien avec, avec l'argent et les dettes? Y a des empreintes traumatiques avec des habitudes de fonctionnement aussi. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3, complicité. Oui. Voilà, et elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa nature véritable, cet amour qu'elle est, dans sa complétude, son infinitude, son éternitude, dans sa paix intérieure, une sécurité profonde. Oui. Comment la vois-tu à présent? Je dirais qu'elle est alignée, il y a une paix et une quiétude intérieure qui s'est installée. Elle est sereine quant à l'avenir, parce qu'elle se projette dans le futur. Et alignée. Voilà. Très bien. Et elle va se faire une programmation selon laquelle que toutes les portes y sont ouvertes, l'abondance est illimitée, que la dette dans l'univers n'existe pas. Et qu'elle mérite le meilleur, et maintenant elle s'accorde, et tout lui vient facilement, agréablement, joyeusement, l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit de l'argent ou autre. Voilà. Et maintenant, elle installe la programmation, tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises. Oui. Comment tu la vois maintenant? Comment se sent-elle? Elle se sent en joie, je dirais. Il y a de la joie et du plaisir aussi par anticipation, de la curiosité à vivre dans ce nouvel état d'être. Le plaisir de l'abondance, voilà. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Bon. Alors, dans la famille, il y a de l'Alzheimer, elle a des craintes par rapport à ça. Regarde de ton côté, est-ce que tu vois qu'elle elle-même peut être, on va dire, impactée par cet héritage ou pas? Alors, en premier lieu, je voyais le problème de l'arbre dans sa position antérieure, où il y avait ce décalage de réalité, où il y avait un problème en fait par rapport à toutes les consciences, ce qu'elles pouvaient vivre en fait dans leur expérience. Donc, elles pouvaient être impactées, oui. Mais maintenant que l'arbre en fait a été régularisé, je vois plus ça, je vois plus de lien par rapport à ça. Très bien. Et en ce qui la concerne, elle, est-ce qu'elle emporte une mémoire ou quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses à éliminer par rapport à ça? Oui, il y a des mémoires traumatiques de la lignée qu'elle porte, oui. Avec
Il y a des programmes de, comment dire, de fonctionnement ou de mémoriel, en fait, j'ai plutôt envie de dire. Ok, alors on élimine tout ça, c'est tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Tu vois autre chose à faire? Non, c'est bon, c'est correct. Parfait. Alors, sa relation conflictuelle avec sa fille, donc c'est plutôt sa fille qui ne supporte pas les limites, qui fait un peu comme elle a envie, au-delà donc des recommandations ou des exigences de sa mère. Regarde qu'est-ce qui se passe avec sa fille. Jusqu'à avoir maintenant des mauvaises notes à l'école. J'ai plutôt l'impression que sa fille est dans une sorte de, alors, karma, si je peux dire ça comme ça, de rébellion. Comme si elle était en train de revivre une vie antérieure. Ah. Il n'y a pas forcément, comment dire, de lien karmique avec la maman, avec elle, avec Sophie. D'accord. Et c'est plus elle. Elle avec elle-même. Voilà. Très bien. Donc, on va la faire venir devant sa maman. Oui. Et sa maman va lui montrer donc le travail qu'elle est en train de faire et lui proposer de prendre conscience et connaissance elle-même de sa propre situation, sur tous les plans et surtout de ces informations que tu viens donc de révéler. Oui. Comment réagit-elle? Elle se voit dans un autre personnage, effectivement, d'une vie antérieure. Donc elle voit que ce n'est pas elle, elle vraiment, elle aujourd'hui, Bon, alors, incarnée. puisque nous y sommes, et pour ton information, donc dans quel personnage elle se voit là? Ça ramène à quelle situation alors, pour ses compréhensions? Une femme, une sorte de féministe, bizarrement, de l'époque. Je ne dirais pas que c'est à l'époque que du féminisme, mais dans une autre époque où ça n'existait pas, le terme féminisme, mais il y a cette sensation très forte de rébellion par rapport à ce qu'elle est, l'indépendance, surtout l'indépendance en fait. On est à Et quelle cette... époque là? Ouais, 1800, mi-1800, moitié du siècle, et j'ai l'impression que c'est dans les pays du Nord. Je sais pas, comme la Norvège ou la Suède, quelque chose comme ça. D'accord, ok, très bien. Bon, maintenant qu'elle a ça un peu plus. Donc elle est intéressée pour se débarrasser de ça maintenant, qui ne l'avantage pas. Si elle est consciente de ça maintenant, est-ce qu'elle est intéressée pour faire ce Oui. qu'il faut? Ouais. Oui. Bon. Alors, dans un premier temps, elle va couper tous les liens avec cette existence et d'autres, il y en a eu, dans ce même type de comportement. Elle est OK avec ça? Oui. Donc, elle les coupe tous. Allez, elle dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis, si elle veut un coup de pouce, si elle veut un autre coup de pouce, Oui. alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle augmente ses fréquences. Elle sort de ce plan-là, en fait, du karma. Donc elle se dégage et se coupe de cette fausse réalité, j'ai envie de dire. Ok. Et puis, je suppose qu'elle a certainement des entités autour d'elle. Je les avais pas vues, mais oui, les entités démoniaques qui sont toujours de toute façon présentes, comme des opportunistes. Alors maintenant qu'elle est connectée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les dégage. Très bien. Elle s'éloigne sur d'autres plans. Elle Voilà. se sent forte, voilà, et puissante à l'intérieur d'elle-même. Elle se reconnecte. Alors maintenant qu'elle a toutes les connexions, toutes les informations, toutes les capacités et que c'est le moment, eh bien si elle peut commencer dès maintenant, hein, elle prend les informations dans la séance de sa mère. Et puis, elle peut commencer, même si elle sera invitée pour la séance tout à l'heure. Oui. Voilà. Bien, on revient à sa maman. Oui. Parfait. Donc, dans sa relation avec son papa, justement, donc le papa attend. Alors, je suis encore sur la fille. Donc, sur la fille et puis sa maman, donc, dans la relation avec le papa, est un peu. On va dire coupé depuis une histoire de pension alimentaire. Donc, Il y a pour être. des... Ah, pardon. Ouais, vas-y, non, vas-y. Dis-moi ce que tu vois. J'ai entre Sophie et son ex-mari, c'est ça? Ouais.
comme des regrets ou des rancœurs venant de lui, en fait. Alors, est-ce que ça a à voir avec le fait qu'elle lui disait au début, je te demanderai jamais rien. Est-ce que c'est ça Oui, qui... ça c'est lié, tiens, c'est lié à la lignée. Ouais, voilà. Parce qu'il y avait aussi à l'époque, à ce moment-là aussi, sa situation dans l'arbre aussi, généalogique. Et alors lié à ce qu'elle a dit, je pense que ça, pour moi, c'est une croyance en plus qui a été amplifiée par les entités démoniaques dans son corps mental d'ailleurs. Il me semble que je l'avais dit au début. Alors, j'ai cité de différentes choses. Hein. Tu arrives à me suivre ? Oui, vas-y, je t'écoute. D'accord, voilà. Je t'avais perdu. Alors, c'est déjà plus précise pour la lignée. Alors, c'est quoi la lignée, là ? Alors, attends. Non, je reviens sur le corps mental, ce qui était au tout début. La programmation, je ne demanderai jamais rien. Voilà. Okay. Ces croyances-là. Donc, ça, c'est la croyance. Elle pense que c'est parce qu'elle a dit ça que l'autre personne s'est vu. Comme ça. Voilà, mais c'est pas ça du tout, en fait. Ah bon. Enfin, ça n'a pas l'air d'être ça. Il y a sa situation aussi dans l'arbre généalogique, le décalage de réalité, de compréhension et de séparation. Et il y a ce sentiment-là de séparation. Donc, en fait, elle mettait déjà en avant à l'époque une future séparation, c'est-à-dire pour se protéger. Elle se mettait comme ça. Tu avais dit tout à l'heure où, justement, dans la relation, elle anticipait les choses et qui altéraient la relation. Exactement ce que j'avais dit, mais c'est à peu près ça. Et donc, lui, non, aujourd'hui, ce qu'il a, c'est plus des regrets et des rancœurs, en fait. Donc, il y a des liens à couper. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait à payer une pension alimentaire ? J'ai l'impression que c'est ce qu'elle pense, elle. Mais ce n'est pas la réalité. Lui, c'est plutôt des rancœurs par rapport à la relation, alors. Exactement. Ah, d'accord. OK. Bon. Bien. Alors, maintenant que c'est compris, donc tu dis qu'il y a des liens à couper. Oui. Elle est prête à les couper ? Oui. Eh bien, allez. Elle va les couper déjà. 1, 2, 3, sur tous les plans. Comme précédé. Oui, ça rétablit l'ordre des choses, j'ai l'impression, au niveau énergétique. Ok. On va faire mieux que ça, on va faire venir son ex-mari devant elle. Oui. Voilà. Donc, elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire, lui propose de regarder sa propre situation sous tous les plans, de prendre conscience aussi de la situation, de ce qu'elle-même vit, de sa manière de voir, d'interpréter les choses. Comment réagit-il ? Il comprend qu'elle était dans sa bulle protectrice. Mmh. Donc voilà, ça y est. Enfin, pour moi, là, ça y est, il est dénué de ces sentiments-là qu'il avait. Très bien. Donc maintenant, est-ce que, voyant le travail qu'elle fait, est-ce qu'il est intéressé pour le faire lui-même, ce travail ? Oui. Bien. Donc, et pour cela, il accepte un petit coup de pouce ? Oui. Alors, on le connecte aussi directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ? Donc, il augmente ses fréquences, il s'expanse, il se sent beaucoup plus aligné avec la situation, avec lui-même aussi. Les énergies se remettent dans l'ordre et même les échanges avec... Sophie sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus stables, beaucoup plus cohérents. Avec sa fille également ? Oui. Oui, ça va de pair. Très bien. Bien. Et donc, lui, je suppose qu'il était aussi interféré ? Oui. Alors, je les vois plus en arrière-plan, là, maintenant, les entités démoniaques. Bon, il capitait peut-être sur les failles de l'argent. C'est pour ça que je revenais sur le fait qu'elle pense que c'est par rapport à l'argent. Je pense que lui aussi, il avait ses trucs à gérer, on va dire, par rapport aux finances. Donc, c'est par rapport aux entités que je vois en arrière-plan. Voilà. Ok. Bon, mais il peut les dégager aussi. Il ouvre un portail, hein, il dégage tout complètement. Allez. Ah, mais il n'y avait pas que les démoniaques, il y avait d'autres entités avant. Sur lui ? Oui. Je ne sais plus. Je les vois trop loin. Regarde, reviens en arrière. Des entités je vois des entités oui on peut dire ça mais tu vois pas quel type d'entité non
Bon, Ouais, je vois des reptiliens, mais c'est très loin en fait. bon, elles sont dégagées de toute manière. Voilà, c'est pour ça, Voilà, c'est c'est pour ça que, ok. Bon, donc il ouvre le portail, il vire, même si elles sont loin, il vit aussi les oui. démoniaques. Hein. Un, deux, trois. Voilà, comme ça c'est fait. Oui. On ferme le portail et il efface. En fait, c'est comme s'il avait augmenté ses fréquences et qu'il avait déjà changé de plan. Ouais, d'accord, c'est pour ça que tu n'avais plus accès. Ok, c'était compliqué pour toi, je comprends. Et oui, bon, voilà. Donc, il peut continuer le travail, il a les informations hein, dans la séance qu'on est en train de faire. Il en a les capacités, il a tout le pouvoir de faire ce qu'il faut, même s'il sera invité pour la séance. Oui. Voilà. Allez, dernière question donc de Sophie. Pourquoi est-ce qu'elle est seule depuis une douzaine d'années? Que se passe-t-il? J'ai un isolement et des blocages dus aux entités démoniaques, qui justement l'enferment aussi dans ses croyances ou l'enferment dans les échanges avec autrui. Voilà. Ok. Bien. Bon, maintenant, est-ce que tu vois qu'il y a des choses à éliminer spécifiquement dans sa relation avec les hommes? Oui, il y a des mémoires traumatiques avec des habitudes de fonctionnement. Et il y a des liens aussi, je dirais, avec les croyances surtout. Ok. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours en connexion avec la source, elle ressent sa nature essentielle, cet amour qu'elle est, dans cette sécurité intérieure où elle se sent intouchable, inébranlable, quoi qu'il se passe, avec une paix profonde. Et ce sentiment d'abondance où toutes les portes se sont ouvertes, même celle de l'amour, de la relation, évidemment, c'est dans toutes ses formes, hein, qu'elles soient financières ou autres. Comment tu te verras maintenant en relation future avec un homme ou une personne? Après tout, je n'ai pas demandé si ses goûts, c'est masculin ou autre. Hein. Déjà, je la vois en relation avec elle-même aussi, de se réapproprier aussi son corps, sa vie, son incarnation, son amour, l'amour de soi. Et ensuite, là, il y a une création d'énergie qui se fait avec l'autre, et justement prêt à recevoir l'amour. Mais un amour, voilà, pas comme avant, où déjà on se protégeait, peur de Il n'y a pas séparation. d'autodéfense. C'est terminé, ça, voilà. Ouais. Là, c'est fluide. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça les fait ressentir alors, ce nouvel état? Bien-être, une complétude intérieure, l'amour de soi, c'est très fort, ça s'intègre. L'amour Et et de la confiance en soi? ouais, avec beaucoup de joie qui en découle, à vivre cette abondance intérieure. Et il y a du plaisir et du désir par anticipation à expérimenter dans cet état, dans ce nouvel état d'être. Ok. Et elle va s'installer aussi la conviction que, quelle que soit la situation, quoi qu'il se passe, elle a toutes les capacités pour gérer la situation avec un homme ou autre, peu importe, hein, et qu'elle peut vivre ses relations dans la tranquillité, le plaisir et l'amour. Oui. Voilà. Elle a pleinement confiance en elle maintenant et quoi qu'il se passe, elle sait qu'elle aura les capacités de gérer les choses telles qu'elles devraient l'être, d'une façon ou d'une autre. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Ça lui fait ressentir quoi maintenant? Y a beaucoup de joie, de plaisir et de l'abondance intérieure. Alors, il est temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, déjà prénommées jusqu'au saut supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec donc les programmations qui étaient présentes et les croyances qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont compactes. Je dirais imbriquées les unes dans les autres, cimentées même. C'est ligoté, cimenté. C'est comme un mur. C'est très limitant et bloquant. Quelles sont les croyances limitantes? Avec cette croyance forte qu'elle n'a pas la puissance nécessaire et ni la connaissance pour pouvoir dégager ce mur de programmation de sa réalité.
Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pensent à présent toutes ces parties? Qu'elle peut y mettre une dynamite et faire exploser ce mur facilement avec ses hautes fréquences. Depuis sa réalité maintenant, elle peut passer par-dessus, au-delà de tout. Eh bien, elle va tout dynamiter, désintégrer tout ça. Qu'est-ce qui reste à éliminer? Et des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ce qui dépend. Comme précité, 1, 2, 3. Oui. Voilà, il ne reste plus rien. Non. Bien, alors maintenant, on va regarder toujours sur l'ancienne ligne de temps, son corps émotionnel, avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. J'ai de l'anxiété, du stress intérieur, de la limitation mentale, comme une forme de protection d'ailleurs. Une peur aussi, la peur d'être abandonnée. Cette peur aussi de se sentir isolée, mais malgré tout, elle s'isole. Elle se coupe de ses connexions intérieures. Avec la fuite d'énergie abondante qu'il y a dans son corps émotionnel, il y a une fausse image d'elle-même qui est créée. Ça la décale dans sa réalité. Il y a des résidus de nostalgie de cet état-là, émotionnel. La nostalgie, aussi un peu de culpabilité. Voilà. Bien, on va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice d'avoir atterri dans cette incarnation, dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, elle se sent humiliée, la partie physique se sent humiliée par la partie supérieure, de devoir vivre et avancer dans l'incarnation de cette manière-là et dans ces conditions, avec un grand sentiment d'abandon, de rejet et de trahison, d'avoir été laissée là. Dans cette 3D, j'ai envie de dire. Et pour pouvoir avancer aussi dans sa physicalité, pour avancer dans cette incarnation, elle s'est créée des murs de protection, elle s'est blindée comme des coquilles d'autodéfense, bien blindée en tout cas, qui la limite énormément, qui l'isole, qui la coupe de ses connexions intérieures, voire des connexions tertielles aussi, à certains moments. Elle est téléguidée. Elle n'est pas pleinement elle-même. Elle perd beaucoup d'énergie aussi. Une grande fatigue. Il y a une fatigue émotionnelle qui est présente. Voilà. Alors, je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer de tout ça? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des programmes d'habitude de fonctionnement. Bien, alors on élimine tout ça sous tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et en ce qui concerne la personnalité, maintenant, elle a toutes les capacités et les informations pour créer les changements, hein, dans tout, voilà, changement d'habitude, changement d'attitude également, vis-à-vis, de l'autre, de l'homme, d'elle-même, enfin bon. Voilà, toutes ces informations sont là, et tu peux te reprogrammer toi-même dans une meilleure dynamique, tout ouvrir. Bien, et tout ça, bien sûr, dans l'amour et avec le temps nécessaire, hein, sans rien forcer, bien sûr. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, émotions, sensations, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Sophie à présent? Là, elle est pleinement ancrée et alignée avec toutes les parties d'elle-même. Donc, il y a une puissance intérieure là qui en découle, qui se déploie avec beaucoup de joie, d'abondance et de plaisir à vivre dans ce nouvel équilibre et dans ce nouvel état d'être.
Très bien. Donc là, maintenant, elle est bien réalignée. Il n'y a plus de réajustement à faire par rapport au temps et tout ça. Tout est fait, tout s'est fait. Oui. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, amoureuses, matérielles, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? L'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire ce qu'elle est de son essence divine, de son essence même, son origine, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les manifestations et les incarnations, et quel que soit l'espace et le temps. Et je rajouterai aussi de le ressentir. Bien. Que, et je rappelle que c'est la clé pour tout le monde. Hein. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, voire même de cette existence en tant que Sophie? Il y a eu beaucoup de joie et de curiosité d'expérimenter dans ce nouvel état d'être, de bien-être et d'équilibre. Et du Alors, plaisir, bien sûr. elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le rajoute à sa programmation Oui. et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Et elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs, jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Sophie à présent? Pleinement alignée, équilibrée, ancrée. Il y a beaucoup de joie, d'abondance intérieure. Il y a beaucoup de plaisir aussi à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien, et eh bien ça va être le moment des invitations. Oui. Elle a nommé bien sûr sa fille, avec son papa et sa famille, sa sœur et sa famille également, ses parents, sa famille en général, les trois amis de cœur auxquels elle pense, plus leurs compagnons et familles, etc. La nounou de sa fille, hein, et puis sa famille, le chat et tous les animaux qui seront invités pour la douche finale. Et puis Oui. tous ceux à qui elle pense, si d'aventure elle pense à d'autres personnes. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, accepte-t-il un petit coup de pouce? Oui. Puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rend tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toute dimension, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis
et repli des espaces-temps dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle christique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Sophie pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale, à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Et maintenant, tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, ça va être le tour des désincarnés. Elle a nommé son ex-ami, donc que je ne vais pas nommer, qu'on l'a eu en antenne, donc son nom. Donc, j'aimerais savoir sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est sur le plan astral, dans son propre monde qu'il s'est créé. Je le vois surtout marcher, faire genre des allers-retours dans sa propre bulle. D'accord. Donc, vérifie son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui. Tu peux communiquer avec lui ? Oui. Alors, tu t'approches de lui, tu nous montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie, et demande-lui s'il veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on le connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent ? Il a augmenté ses fréquences, il est sorti de sa bulle, il s'est expansé, il a pris de l'ampleur, il m'a monté sur un autre plan. Il se sent bien et il observe Sophie avec amour. Que choisit-il de faire à présent ? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? Il choisit la source. Alors dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissé sur Terre et sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'il veut dire quelque chose à Sophie et à tous ceux qu'il a aimés et côtoyés sur le plan terrestre ? Oui, il y a une sorte de parole pour dire qu'il a cheminé pendant ce temps-là et qu'il se sent bien maintenant. Et là, il y a beaucoup d'amour. J'ai le chakra du cœur là, qui s'ouvre très fortement pour Sophie. Et bien sûr, il envoie de l'amour aussi à toutes les autres consciences qu'il a connues, sa famille. Voilà. Très bien. Eh bien, on va le saluer. Oui. Voilà. Maintenant, c'est le tour de la grand-mère maternelle. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Attends, je n'étais pas encore avec la grand-mère. C'est bon. Ah, pardon. Je vais trop vite. Oui, la grand-mère maternelle de Sophie. Oui. Oui, c'est bon. Elle est dans le plan astral. Elle est entre l'astral et le moyen astral. Je la trouve bien placée, j'ai envie de dire, dans des belles énergies pétillantes. Il y a des énergies qui pétillent là où elle se trouve. Tu peux communiquer avec elle ? Oui. Donc tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut être aidée. Oui, ça pétille, dis donc. Alors voilà. Ah. Très quoi ? Énergique. Ah oui. Je sais pas. Elle est en forme. Alors on l'a connecté directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour elle à présent ? Elle s'est expansée, elle a changé de plan, elle aussi, elle a augmenté ses fréquences. Et cette pétillance se stabilise, je dirais, en énergie d'amour. Voilà. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent ? Peut-elle remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir ? Elle choisit la source. Alors, dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous.
Oui. Et avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Sophie et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Oui, alors j'ai. Elle me parle beaucoup de gâteaux. Donc je ne sais pas si c'était une mamie qui faisait beaucoup de gâteaux. Il y a quelque chose comme ça et une douceur dans cet échange. Et elle la remercie beaucoup à Sophie. C'est comme si elle la prenait dans ses bras pour le travail qu'elle effectue, même pour toute la famille, pour toute la lignée. Elle te dit bravo même. Voilà. Alors, avant de remonter, est-ce que tu peux lui demander si elle peut envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Sophie des énergies et des informations pour que toutes les âmes de sa lignée désincarnées puissent avoir la même opportunité qu'elle? Oui. Alors, allons-y. Oui, c'est bon. Eh bien, maintenant, on peut la saluer et la remercier. Oui, c'est bon. Elle est partie? Oui. Elle est sortie de la fausse matrice? Oui. Bien. On peut revenir à Sophie? Oui. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques. Hein. Oui. Donc, elle va tous les couper et dissoudre toutes les racines sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à présent, elle va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile et dissout les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisque c'est la Suisse, partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules d'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes bulles de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres créations ou intention ou création volontaire délibérée et éclairée. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va éliminer toutes les informations et les énergies qui ont été recueillies à son propos lors de sa première entrée dans la fausse matrice, ou en tout cas de sa formation. Hein. Donc, tout ce qui a été recueilli, on élimine tout sur tous les plans. Énergie et information sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Regarde son voie en arrière-plan. Non, il n'y en a pas. On va éliminer toutes les codes, tous les codes de vie qui ont été dénaturés, etc. Tout ce qui lui est nuisible. 1, 2, 3. Oui. Éliminer tous les liens archontiques qui se sont accrochés à ce moment-là, en dissolvant toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Et voilà, toujours en connexion avec la source maintenant. Elle fait descendre des énergies et des informations pour réinformer et reprogrammer toutes les parties d'elle-même jusqu'à son ADN. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double de l'hibiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison. Pour toutes les parties qui les nécessitent, elle place sa conscience dans l'espace moronciel.
pour chacune d'elles et fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son code, son baume de vie, pardon, régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting, sur ses cheveux pour favoriser la pousse, et puis sur ses mains, enfin c'est autour de ses oreilles pour l'eczéma, etc. Oui. Même si ça fait partie des parties qui en ont besoin. Donc tout ça, tu le stabilises, sécurises, pérennises et concrétises dans l'harmonie. Oui. Bon, maintenant on va regarder, on va retrouver son ADN avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectés et combien sont activés. J'en vois 7, il y en a 6 de connectés. Bien, est-ce qu'elle peut connecter et la 7e et oui. Activer, bien sûr. Connecter, activer. Oui, oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Elle va déployer des nouvelles énergies. C'est fait. Bien. Alors, donc elle en reçoit l'ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? De 8 à 12 mois. De 8 à 12. Est-ce que tu vois des effets rapides? Et lesquels? Et un bien-être général, je dirais, en effet rapide, sur tous les domaines. D'accord. Et tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation, donc suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance. Oui, il y a des phases de doute. C'est limitant au niveau, je dirais, encore du mental. Parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental égo se sent en insécurité et il va rechercher que ce qu'il connaît dans le passé pour les ramener dans le présent, d'où ces phases de doute. Alors il suffira à Sophie bien sûr de se souvenir de ce qui a été dit, voire même de le réécouter, et dans ces moments où il lui semblera que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'accentuent, en se rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, c'est normal, et en restant confiante et donc optimiste et calme, eh ben, elle soutiendra toutes ces parties qui feront leur travail, et plus courte pourrait aussi être la métabolisation, et meilleure en qualité et en profondeur. Autrement dit, comme tu l'as compris, la balle est dans ton camp. Et pour soutenir toutes les parties de Sophie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie dans sa meilleure version. J'aimerais savoir comment elle se sent. En premier lieu, je ressens de l'abondance à l'intérieur d'elle-même et dans tous les domaines. Il y a un alignement avec toutes ses parties, jusqu'au soi supérieur. Il y a une puissance intérieure, il y a beaucoup de joie. De joie, ça pétille et du plaisir à vivre dans ce nouvel état d'être. Bien. Tu vois que ça vaut le coup quand même d'observer les recommandations. Hein. Alors, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie féminale, toutes ses autres parties jusqu'au soi supérieur, son âme bien sûr. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références. Et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va regarder son appartement. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a des énergies discordantes. Ça forme comme un cône qui vient vers elle, comme ça. Donc c'est plutôt de vers elle. C'est par rapport à elle, en fait. C'est parce que j'observais le cône énergétique. Et c'est quoi ce cône? C'est dû à sa situation antérieure. Ce sont des énergies qui sortaient d'elle, en fait, de sa situation antérieure. D'accord. Et des énergies discordantes? Oui, c'est elle. D'accord. Okay. Regarde les sous-sols. Dis-moi si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres.
Au loin, alors au loin, c'est-à-dire sur mon côté gauche, je sais pas, je vois comme, comme un mur magnétique, en fait, je dirais. Il y a quelque chose de magnétique qui accentue tout ce qui est des énergies négatives, entre guillemets. C'est quoi ce mur magnétique? Bah, c'est pas naturel déjà. Qu'est-ce qui le crée? Qu'est-ce qui l'a créé Après, là? je sais pas trop encore exactement s'il y a quelque chose là, comme est-ce que c'est pas une antenne ou quelque chose qui est pas très loin. Ça ressemble à ça, mais en fait, je vois comme un mur magnétique en fait. D'accord. Tu Ça crois que me. est-ce que tu vois que ça vient de l'émission d'une antenne ou autre chose? Oui, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas exactement le définir. Je ne peux pas dire si c'est de l'Internet ou de l'électricité. J'arrive Ou pas du à bien 5, définir ou ce mot. 5G ou autre quoi. D'accord. Ok. C'est discordant pour elle, en tout cas, ça accentue des énergies négatives. Il est à côté de l'appartement ou il est plus loin? Il est à côté de l'appartement, À pas côté. trop loin. Ouais. D'accord. Bon. Bah déjà, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer, déjà à l'intérieur de son appartement, mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Et elle va installer donc un mur elle-même de protection qu'elle va programmer, qui va, on va dire, l'isoler de ce mur magnétique qui lui est nuisible. Oui. Elle le fait suffisamment épais Oui. et elle le programme pour être stable, équilibré et surtout indestructible. Oui. Voilà. Comment tu le vois maintenant? Oui, là, c'est correct. Je me sens beaucoup plus soulagée. Donc, il n'y a pas Il d'influence. n'y a plus rien qui passe? Non. Bien. Alors maintenant, on va installer partout des fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activée et sécurisée. Sur son compteur électrique, dont on suppose que c'est un Linky, ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, tu vas créer un multicouche que tu vas programmer. Oui. Voilà. Par-dessus, on installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double de biscuit activé et sécurisé. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, régulier, bien sûr, et sécurisé, avec une respiration ample, profonde, régulière et aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle classique de protection. Oui. Elle également, sa fille si elle le veut, et bien sûr, le chat. Oui. Voilà. Et maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activé. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. À présent, tu installes une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation, du début jusqu'à la fin, pour chacune, sur tous les plans, toute ligne de temps, tout espace-temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les vies, toutes les couches. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et elle s'installe une programmation sur laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la situation, la ligne de temps ou son état, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Et maintenant, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette séance, tu vas baliser un chemin énergétique
pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pénalise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, la connexion, elle est directe, libre, sécurisée entre lui et la partie physique. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il l'écoute attentivement ? Oui, c'est que depuis la partie physique, qu'elle active cette connexion par l'entière confiance en ses propres capacités d'activation et par la claire intention. Alors, il suffira bien sûr à Sophie de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment vas-tu son âme ? Elle est vibrante, pétillante, avec des couleurs chatoyantes. Ça vibre la joie. Et sa partie subliminale ? Elle s'est stabilisée, renforcée, proche de la partie physique. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Sophie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Et tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, je rappelle que les animaux sont invités, bien sûr, et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule lumière de chacun, installe fleur de vie, graine de vie et double de miscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particule de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Sophie avant la séance et quelle est-elle à présent ? Elle était de 59 et maintenant de 185. Bien. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour ? Oui. Alors, c'est parti. 2 et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Oui. Hello Laetitia, comment vas-tu ? Oui, c'est bon. Eh bien, alors à nous. Allez, nous t'écoutons, Sophie. Tu peux remettre le son. Je suis bluffée. Enfin, je suis complètement retournée, j'ai envie de dire. Parce que je ressens déjà plein de choses. Moi, c'est dans le subtil. J'ai l'impression que je perçois déjà des nouvelles choses. Des moments, je tourne la tête, j'ai des visions de choses, des choses qui m'apparaissent. Enfin, j'ai l'impression que je vais vivre quelque chose de complètement nouveau. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de nettoyage le début. C'est impressionnant. Ça a du sens, tout ce qu'elle a vu. Ah, complètement. Et puis, quelque part, je trouve triste, pas pour moi, hein, que ça a suivi autant de vie, ce que j'avais. Enfin, oui, mais non, c'est ni triste, c'est comme ça fait partie de la vie jusqu'au moment où tu t'en libères. C'est partie de l'aventure de la vie, hein, tu sais. Bon. Ouais, tout à fait. Mais je trouve génial. Enfin, je voulais vous remercier vraiment pour ce que vous faites, quelque part, pour l'humanité. C'est magnifique, enfin, c'est très chouette. Bon, en tout cas, parce que ça va tellement plus loin. Enfin, ouais. L'humanité, bon, je sais pas, mais enfin, pour toi, en tout cas. Oui, ça va beaucoup plus loin, je pense. Mais oui, pour moi, à mon niveau, Ça impacte leur collectif, évidemment, bien sûr. Ouais. Ouais. Après, on ne prétend pas transformer l'humanité, hein, on est d'accord. Non, mais je pense que ça fait boule de neige sur beaucoup de choses. Ça dépend des consciences et ça dépend de beaucoup de choses, en tout cas. Oui, voilà. Ouais. Mais en tout cas... Et dans ce qu'elle a vu avant la matrice, ça t'a parlé pour toi ? Oui, il y a une forte lumière. Je sens que je viens d'une forte lumière. Je savais déjà ça. Et ça me parle complètement. Oui, oui. Quelque chose qui construit avec le niveau énergétique, complètement.
Et c'est pour ça que je disais, quand je pense que ces informations subtiles qui m'arrivent déjà, c'est quelque chose qui va me servir pour pouvoir redonner. C'est très, voilà, ça me parle complètement. Bon, tu me diras ça alors. Ok. Oui, avec plaisir. Bon, tu connais mon conseil, hein, de revoir ta vidéo. Tu as vu qu'il y a beaucoup d'informations. Ouais. Tu as aussi des compréhensions qui vont s'affiner à fur et à mesure des écoutes. Donc, n'hésite pas à les réécouter. Et Oui. puis, dans ces moments de métabolisation, surtout où ça peut être inconfortable, eh ben, n'hésite pas, tu la refais du début jusqu'à la fin. En la renouvelant comme aujourd'hui. Oui. Laetitia parlait tout à l'heure d'ego, justement, quand on a l'ego qui reprend l'avant, puis le mental qui va chercher des anciennes Ouais. mémoires. Oui. À ce moment-là, comment je peux Tu n'y attaches pas d'importance. je Tu laisse es couler. comme si tu étais spectatrice, tu t'observes de Ouais. l'extérieur, tu vois, comme si tu étais spectatrice, et tu regardes ça simplement C'est en ce que je toute ressentais, ouais. équanimité, comme dirait un certain que je connais. Comment t'as dit? En toute équanimité. C'est-à-dire, il n'y a pas de D'accord. jugement, tu observes simplement, tu es là, tu vois, observateur. Voilà, Ouais, observateur sans juger, oui. simplement, voilà, Oui, ça. ok. Sans dramatiser, sans rien, tu observes, voilà, ça ne touche pas, voilà, c'est là, c'est ainsi, et ça passera autant que ça m'est venu. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, c'est aussi un peu le point zéro, tu vois? C'est-à-dire que tu ne te laisses pas emporter par les émotions, ni par les pensées, tu observes, tu es Mais observateur. qu'est-ce que tu appelles le point zéro? Alors, le point C'est zéro, neutre? c'est la neutralité, voilà. Ouais, ok. Voilà. Oui. Simplement. Pas Ok. d'émotion, pas seulement observation. Ça ne te Ouais. touche pas. Oui. Es observatrice curieuse comme une scientifique qui observe, tu vois, et voilà, Et avec surtout, j'arrive encore mieux à le curiosité. ressentir maintenant, Voilà, et ça ne te cet touche état. pas. Voilà. Tu, Ah comme oui. si c'était un film qui ne te concernait pas et tu regardes, voilà, tout Ouais, simplement. ouais. Voilà. Et Ok. même dans ton corps, même si c'est un peu. Même dans ton corps, hein, c'est-à-dire même si tu sens des douleurs, des inconforts ou autres, pareil, tu peux aussi être dans cet état d'équanimité et de point zéro. Ok. D'accord. Voilà, c'est le jugement qui fait la souffrance, tu vois. C'est le jugement et c'est le rejet. C'est le rejet de la souffrance. C'est le rejet de la douleur qui crée la souffrance. Ah ouais, j'entends Et oui. bien, ouais. D'accord. Hein? Ouais. Voilà. Merci infiniment pour tout, en tout cas. Merci à Je suis toi très et donc. contente. Eh ben moi, j'attends de tes nouvelles. Hein, tu me diras Oui, par mail avec ce que ça plaisir. passe. D'accord? Oui, merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi, merci à Laetitia. Donc, la vidéo, je peux la publier en clair comme tu avais. Non. Non? En flouté. Non, non. Merci. En flouté, d'accord. Ah, bah Oui, oui, volontiers. c'était flouté. Ok. Oui. Bien, eh ben, on fait comme ça. Mais c'est quand même déjà bien. Hein. Et puis, on aura une petite vidéo comme ça sur d'un extrait de ta séance. Oui, merci beaucoup et puis Au toute revoir. bonne continuation. Bonne métabolisation. Au revoir. Merci, au revoir, Au au revoir, revoir. Sophie.